7 heures au Bénin, bonjour à tous et bon réveil. Bienvenue sur Canal 3 et Canal 3 Télévision.com. Vous êtes sur Actu Matin, votre matinale. Wakhabali Kwara, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour à vous Nagui Balagwe. Bonjour Christian. Nagui, on va vous retrouver dans un instant pour le mini-journal Wakhab dans la revue de près, la revue des titres, voilà. Le coronavirus continue de faire des victimes. C'est une semaine critique pour le Bénin, comme l'a titré ce matin le journal Fraternité que vous découvrirez dans un instant. De nouveaux cas sont enregistrés et portent à 11 le nombre de sujets contaminés et testés positifs. C'est bien dans cette lutte contre le coronavirus que des personnes que je qualifierais de tradithérapeutes, pseudo-praticiens de pharmacie par le biais des médias présentent des produits comme traitant le mal. Le gouvernement avertit, il interdit toute publicité de nature à orienter les populations vers ces produits et met en garde. Sur le sujet, vous vivrez et vous suivrez l'opinion du chroniqueur. On mènera le débat dans le forum des discussions. Nous reviendrons sur les mesures contre la propagation du coronavirus 2 jours après l'opérationnalisation du cordon sanitaire dans 12 communes au sud du Bénin pour un premier bilan des actions de terrain. La politique, oui, ce matin, eh bien, les partis engagés dans la course aux élections communales sont fixés depuis lundi. Les 5 retenus après la validation de leur dossier de candidature par la Sénat ont reçu hier leur récépissé définitif dans la journée du mardi donc. Et c'est maintenant que le plus dur commence pour les candidats. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Seul parti dirigé par une femme est en lice. Nous verrons comment ses membres comptent aborder ces élections au lendemain de l'obtention du récépissé définitif. Gilda Saïzanon, secrétaire générale adjointe de l'UDBN et porte-parole du parti, est l'invitée du forum. Ainsi se présente le sommaire de votre matinale. Un mercredi, je dirais tout particulier, puisque nous ferons un service minimum du fait de l'absence de plusieurs de nos rubriques ce matin. Mais en attendant, on va vous servir l'information. Restez avec nous. Alerte. Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. C'est la une des journaux sur Actu Matin, Wakhabali Kwara. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. Ces 3 nouveaux cas ont été testés positifs au Bénin au Covid-19. Donc, et Fraternité ce matin alerte évolution du Covid-19 au Bénin. 11 cas confirmés et c'est donc une semaine critique pour le Bénin. Obtention du récépissé définitif pour les communales de 2020. L'expérience politique a fait la différence. Les partis confirmés par la Sénat ont reçu leur récépissé définitif. Engagement de la Fondation Asiafrica. Docteur Roland Amoussou Guénou honore le Bénin par 3 distinctions. Offre de recrutement de la bagnole Motos. La séduction des remèdes miracles, c'est le titre de la chronique signée ce matin, Moïse Dessoumou. À la une maintenant de la Nation, projet d'autonomisation des femmes et des jeunes filles, le comité national de pilotage installé, supposé remède contre le coronavirus. Les mises en garde formelles contre l'automédicamentation. Criette, détournement de denier public, un ex-receveur condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Le radar, mafia foncière à Godomé, à Imevo,
comme une saleté pornographique, mais bien d'acteurs en partagent la culpabilité. Communale et municipale de 2020, les têtes d'affiche du Bloc républicain et de l'Union progressiste à Covey. Renouvellement des conseils communaux et municipaux, des sueurs froides à des partis politiques. Des sueurs froides donc à des partis politiques. Le routier, supposée liste de candidatures pour le communal des FCBE, faux. Seule la Sénat a le droit de publier la vraie liste, alerte Garba Yaya. Distribution de dispositifs de lavage de mains à pédale dans la commune de Tofo, Basile à l'agglo dote certains villages de cordes de puissance pour freiner le COVID-19. Soleil levant, lutte contre le coronavirus, Wolobé, empereur mondial des Ogboni en combat spirituel contre le virus. Plusieurs prières engagées depuis samedi pour éradiquer le coronavirus du Bénin. Voici les recommandations de l'empereur. Des recommandations donc à retrouver dans les colonnes de Soleil levant. Et puis publication de vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Le procureur: mettons-nous aux trousses des auteurs. COVID-19, Valentin Agon mis en quarantaine après son retour du Burkina Faso. La relève, construction du poste de péage de Wegbo. L'entreprise Adeotisal séduit par son organisation et la qualité des travaux. Préparatifs des communales 2020 pour le compte du Bloc républicain. Thomas Agbeva en mode efficacité. Très discret, l'homme multiplie les contacts avec les grands électeurs de la 24e circonscription électorale. Quotidien, l'Observateur, croisade contre le COVID-19, Maître Rufino d'Almeida dans une sensibilisation à Boycon. Il a fait d'une pierre deux coups, précise le quotidien, l'Observateur. Sensibilisation des populations contre la pandémie du coronavirus, Dr Guy Woku et la Procab apportent un soutien aux actions du gouvernement. Communal de 2020, le coronavirus. Le Corona Politicus emporte Moël Bénin, la FCDB et le PER de Nathanaël Coty. Libération coronavirus, trois nouveaux cas enregistrés, mais aucun décès au Bénin. Communal et municipal du 17 mai prochain, Union progressiste, Bloc républicain, PRD, FCBE, UDBN officiellement en lice. Le matinal, coronavirus au Bénin, 8 cas confirmés, 1 guéri et 0 décès. Des masques de protection au prix subventionné à 200 francs CFA. Communal et municipal, les partis recalés ont 3 jours pour saisir la Cour suprême. L'actualité, lutte efficace contre le coronavirus, le Bénin à l'école de la Chine. Et puis, bon signe pour le maire sortant, Luc Atropo de la commune de Boycon. Les quatre vérités, cordon sanitaire et lutte contre la pandémie du coronavirus, Karim Da Silva appelle les Béninois au respect des mesures prises par le gouvernement. Et puis, unique parti politique avec une femme à sa tête, il s'agit bien entendu de l'UDBN. Pari gagné pour l'UDBN et l'honorable Claudine Prudencio. Bénin intelligent, coronavirus au Bénin, 3 nouveaux cas confirmés. Leur état clinique est stable et rassurant. Le gouvernement subventionne des masques. Matin libre, affaire FNM, criette et Cour suprême, un aller-retour suspect. Coronavirus appelle à la solidarité. Où est la gouvernance par l'exemple, s'interroge Matin Libre. Et puis, élection après la sélection des partis, place à la bataille des 10%. Le matin, communal et municipal de mai 2020, seuls des partis traditionnels, PRD, FCBE, UDBN, Bloc républicain et l'Union progressiste, sont en
compétition, diffusion tous azimuts de vidéos à caractère pornographique sur les réseaux sociaux, la responsabilité des élèves, patrons d'école et parents engagés. Le procureur de la République s'occupe déjà du dossier, précise Le Matin. L'Économiste. Lutte contre la pandémie du COVID-19, la grande Europe tombe face au coronavirus. La pauvre Afrique résiste encore. Abraham Akpala, maire de Djougou, sur la gouvernance locale, soutenir l'artisanat et les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, PMI, pour une commune industrielle. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité donc qui alerte, Fraternité qui précise qu'il y a eu de nouveaux cas et qu'en République du Bénin, actuellement, il s'agit de 11 cas confirmés et que la semaine est plutôt critique pour l'État béninois. Justement, une semaine véritablement critique pour l'État béninois et dans le même temps, on apprend et on constate d'ailleurs que dans l'opinion, il y a de ces tradis praticiens qui font des publicités, qui annoncent des produits qui guériraient donc le coronavirus. On va en parler dans un instant avec le chroniqueur Moïse Dossoumou. Obtention du récépissé définitif pour les communales Ouachave, vous m'attendez une petite minute. Expérience politique a fait la différence. Écrit ce matin le quotidien Fraternité, les partis confirmés par la Sénat ont reçu hier leur récépissé avec les impressions des représentants de ces différents partis politiques, publié en page 3 du quotidien Fraternité Garbayaya des Forces Coury pour un Bénin émergent, qui dit que tout le monde est prêt pour que le FCBE rafle le maximum de sièges. Robert Guyan du Bloc Républicain qui déclare qu'ils iront sur le terrain si la situation sanitaire le permet. On parle donc du coronavirus. À ce niveau, Charlemagne Hunfort du Parti du Renouveau Démocratique qui déclare que l'acte suivant est de remettre le récépissé définitif à la direction exécutive nationale du Parti. Parti pour appréciation, Cyril Ducuy de l'UDBN, c'est maintenant que le plus dur commence et nous recevons en invité Gildas Aizanon qui est secrétaire général adjoint du parti dans cette émission. Ce sera dans la page invité du forum et plus Christelle Hundonbo de l'Union progressiste qui déclare qu'à l'Union progressiste, le rêve est d'avoir des élus à la base. Je vous ai fait attendre, Wahab Ali Kara, parce que nous avons une information de sources généralement bien renseignées. Les partis recalés ont en principe 3 jours pour saisir la Cour suprême aux fins. Mais nous venons d'apprendre que ces partis éliminés par la Sénat sont rachetés par le chef de l'État. Je crois que c'était essentiel. La nouvelle est tombée un peu plus tôt et c'est Fraternité, bien entendu, qui a la primeur. On verra de quoi cela retourne concrètement. Je sais qu'il y a eu un peu de négligence au niveau des cas confirmés au niveau de la Sénat. On verra comment peut-être avec ce remaniement ministériel qui est annoncé, qui fait partie le ministre de la Santé chez qui on a senti la négligence et que les deux autres personnes qui vont remplacer les membres du gouvernement. On verra concrètement quel est le contenu de la nouvelle équipe qui certainement va sortir d'ici midi. D'accord, on va vous faire revenir puisque vous allez glaner toutes ces informations pour nous et pour nos téléspectateurs. À tout à l'heure donc. Wahab Ali Kara, en fin d'émission, vous aurez la revue de presse. On reviendra sur toutes ces informations tout à l'heure. Et puis, cette brève, et on part à la régie. Le Sénégal qui enregistre son premier mort du coronavirus. Eh bien, le monde du football pleure Mababa Diouf, connu sous le nom de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, contaminé depuis maintenant plusieurs semaines. Il est décédé hier mardi dans un hôpital de Dakar à l'âge de 68 ans. Pour ceux qui connaissent son histoire et surtout l'histoire du club français, Pape Diouf est l'un des acteurs majeurs du renouveau de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui a ramené et maintenu ce club en Ligue des Champions 3 années durant. La chronique, ce sera dans un instant. Naguib Alagbé, on vous retrouve pour les titres du mini-journal. Bonjour Christian, bonjour à tous. Le rapport d'activité trimestrielle du maire Isidore Yolofou a été soumis à l'appréciation des élus municipaux pour validation. C'est à la faveur de la session ordinaire, la première de l'année 2020 à la mairie de Cotonou. Et puis, actualité COVID-19 à présent, la situation est de plus en plus critique.
Les parutions ce matin font l'écho de plusieurs nouveaux cas de contamination confirmés. L'annonce officielle devrait suivre dans les heures qui viennent. Mais en attendant, les mesures prises par le gouvernement pour bloquer la propagation suivent leur cours. La décision, par exemple, de fermeture des bars est respectée ça et là. Voilà. Merci, Naguib. Vous restez en place. Bonjour à vous, Moïse Dossoumou. Bonjour, Christian. La chronique, c'est tout de suite. Et voilà, nous allons revenir sur cette phase de remise de récépissé définitif aux partis politiques dans nos prochaines éditions. Mais cette fois-ci, je vous emmène, Naguib Alagbé, à la mairie de Cotonou. À la mairie de Cotonou, où le rapport d'activité trimestriel du maire Isidore Yonofon a été soumis à l'appréciation des élus municipaux pour validation. C'est à la faveur de la session ordinaire de la première de l'année 2020 de la mairie de Cotonou. Les travaux ont regroupé autour du maire et ses adjoints une quarantaine de conseils communaux, de conseillers municipaux et locaux. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé et Rachidi Soubiro. En plus du Covid-19 qui sévit actuellement dans les quatre coins du monde, le contexte reste particulier pour la première session ordinaire de la mairie de Cotonou au titre de cette année 2020. Ces assises restent les dernières de cette troisième mandature de la décentralisation et lorsqu'il s'est agi d'ouvrir les travaux, l'intervention du maire a pris l'allure d'un discours d'adieu. Distingués élus municipaux, mesdames et messieurs, dans quelques semaines, nous arriverons effectivement au terme de notre mandat. Après 5 années au service de la municipalité, il y a eu quelques moments de turbulence dû à certaines incompréhensions. De plus, au sein du conseil municipal, nous avons passé plus de temps à nous attarder sur des considérations qui ne devraient pas être. Mais en dépit de tout ceci, je garde le souvenir d'un conseil municipal de qualité. Un conseil de qualité dont le travail, à en croire Isidore Nyonofon, a accouché de résultats satisfaisants. Mais l'autorité municipale semble nourrir encore des regrets. En effet, malgré notre bonne volonté, beaucoup de choses que nous aurons pu réaliser très rapidement n'ont pu l'être. Pendant les quelques mois que nous avons passés à la tête de la ville, nous avons pris une bonne partie de notre mandat, fut-il intérimaire, à résoudre les problèmes, corriger les imperfections. Il a enfin souhaité que la majorité des membres de l'actuel conseil municipal reviennent siéger au cours du prochain à l'issue des élections prévues pour mai 2020. Des élections pour lesquelles un comité ad hoc a été créé ici pour l'organisation et le suivi. Une communication sera d'ailleurs animée au cours de cette session sur la création de ce comité ad hoc. Il sera aussi question d'apprécier le rapport d'activité trimestrielle du maire et ceux des commissions permanentes du conseil municipal et d'examiner le compte administratif de la commune au titre de l'exercice 2019. Et puis le comité d'orientation et de supervision de la mise en œuvre du projet SWID est une réalité. Le projet SWID est un projet d'autonomisation et de dividendes démographiques dans le Sahel. Les membres du comité installés mardi au ministère du Plan et du Développement ont pour mission de superviser l'unité de gestion. Les membres du comité de pilotage du projet SWID entrent désormais en fonction avec à leur tête Cyriaque et donc comme président. Une prise de fonction à la faveur de leur installation le mardi 31 mars par le ministre d'État chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane. SWID est un projet d'autonomisation des dividendes démographiques dans le Sahel, dont les documents feront l'objet d'études du COPIL. Le COPIL sera l'organe qui supervise l'unité de gestion et qui aura pour mission de valider les différents documents de dépenses, le budget, les documents de son opérationnalisation, mais aussi les différents manuels et aussi bien d'opérationnalisation, les manuels d'exécution, les manuels administratifs. Et donc, le rôle du COPIL, c'est de superviser, de s'assurer de la bonne exécution et de la bonne mise en œuvre du projet. Ce comité de pilotage tire son fondement de ce que le SWID est un projet d'un coût global de 50 milliards de francs CFA.
Le projet vise la réduction de la pauvreté. Il va concerner un nombre important de jeunes filles, jeunes garçons et des femmes. Et ce projet se traduit à travers les interventions qui devront impacter 3 302 filles et jeunes garçons et des femmes. Et ceux-ci, ce sont des bénéficiaires directs du projet. Le projet a également des bénéficiaires indirects qui sont la population active et les jeunes filles, les femmes, la société civile, les communautés à la base. Les leaders religieux sont les bénéficiaires indirects du projet et cela s'étend sur 5 ans de mise en œuvre. Selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, l'unité de gestion du projet est à l'opération et exécute les activités quotidiennes, tandis que le comité de pilotage est dans un rôle de supervision. Deux entités qui vont fonctionner en complémentarité pour l'atteinte des résultats du projet. Elles sont appelées à lier engagement, efficacité et planification. Actualité Covid-19 à présent, la situation est de plus en plus critique. Les parutions ce matin font l'écho de plusieurs nouveaux cas de contamination confirmés. L'annonce officielle devrait suivre dans les heures qui viennent, mais en attendant, les mesures prises par le gouvernement pour bloquer la propagation suivent leur cours. La décision, par exemple, de fermeture des bars à l'intérieur du cordon sanitaire a pris effet depuis lundi 30 mars 2020. Les promoteurs sont pour la plupart rentrés dans les rangs. Une équipe de notre rédaction a sillonné les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Voici le constat fait par Ulrich Gaba et Elvis Tonoukouin. Premier jour du cordon sanitaire en République du Bénin. Arnaud évalue avec son plus proche collaborateur l'impact de la fermeture du bar sur les charges quotidiennes. Ce promoteur de bar est conscient de l'enjeu et comprend aisément la décision du gouvernement. Le gouvernement a demandé à ce qu'on ferme les bars pour 2 semaines, jusqu'au 13 avril. On n'a pas le choix, il faut respecter les consignes du gouvernement, parce que ça fait partie des mesures à prendre pour nous protéger. Donc on n'a pas le choix. Tout en se conformant aux dispositions gouvernementales, l'opérateur économique averti a pris le soin d'informer sa clientèle afin de ne pas susciter des désagréments. Il faut respecter les clients, raison pour laquelle on les a tenus informés pour dire que d'ici le lundi, les bars, on va fermer. Effectivement, on a fait des affiches, on a partagé, ils savent que c'est fermé. Il faut respecter toujours le gouvernement, raison pour laquelle on a fait cette affiche pour partager. Comme Arnaud, des centaines de promoteurs de bars ont suivi à la lettre les consignes du gouvernement. Le stade de l'amitié Mathieu Kérékou, qui ne tarissait jamais de rendez-vous joyeux sur fonds éthyliques, est aujourd'hui presque désert. Tous les bars sont fermés. Promoteurs et consommateurs reconnaissent l'importance de la mesure prise par le gouvernement. Depuis ce matin, tous les bars sont fermés, comme l'a exigé le gouvernement. Seuls les marquis sont ouverts, mais les clients sont rares. D'habitude, on sait que et après le service, ça, il faut quand même se restaurer. Mais étant donné que c'est pour juste une période donnée suivant le chef de l'État, ce respect strict, je pense bien que c'est ce qu'il faut quand même. C'est difficile pour nous promoteurs de faire face à nos charges en tant qu'employeurs avec cette décision de fermeture des bars. Mais c'est une situation de santé publique. Nous n'avons pas le choix. Nous n'allons quand même pas nous préoccuper de la bière et nous exposer à la maladie. La santé d'abord et la bière viendra après. La santé d'abord, c'est le cri de cœur de tous ceux qui ont compris la portée de la mesure. Les bars resteront fermés pendant 15 jours. Des congés forcés pour les serveuses qui s'offrent ainsi quelques jours de pause, loin du stress habituel et des caprices des clients. Et en vue de freiner toujours la propagation de la pandémie du Covid-19, Nagui Balagwe, eh bien le gouvernement a pris des mesures dont l'interdiction en ce qui concerne le transport de personnes par minibus. Lundi 30 mars, date à laquelle cette interdiction entrait en vigueur, les moyens de transport en commun sont effectivement immobilisés sur les différents parcs de Cotonou. Assurément, Kayan Sonyomo et Moufit Sagbouran sont allés faire le constat.
Ce lundi 30 mars, c'est un calme inhabituel qui s'observe sur différents parcs de véhicules de transport en commun de Cotonou. Des minibus vides stationnés. Ce n'est autre chose que l'observance des mesures dictées par le gouvernement pour éviter la contamination de la population par le coronavirus. Et au premier jour de la période qui court du 30 mars au 13 avril, la discipline règne au sein des conducteurs de ces minibus à Iguédo, Carrefour Legba et Tokpa. Le bac aujourd'hui n'arrive sur le bac aujourd'hui. Personne ne vient plus. Nous sommes demandés le matin, personne ne vient plus. Même à Ouida, à Bomé, dans ça, personne ne vient plus. Nous sommes là seulement depuis le matin. Il n'y a rien. Compte tenu de l'ordre du chef de l'État qui a donné ses ordres que les minibus gardent jusqu'à 2 semaines et rien n'est au-dessus de la loi. On est obligé de respecter la loi que l'État nous a subie. C'est pour cela que tout le monde a garé. Donc on ne travaille pas. Le transport des clients n'étant plus possible avant le 14 avril, les chauffeurs de minibus se reconvertissent dans celui des marchandises. Des clients arrivent ici au Carrefour Legba avec un petit nombre de sacs et colis à acheminer sur d'autres localités. Massaveru Nouomé. Enambei Glekwe. Ndoudou Djenzombo, Mingboro, Minamblo Enéon. Do Khovero Ewa Soukotan. Ici à Tokpa, même image de minibus au repos, portières largement ouvertes. Pas la moindre trace de marchandises, à défaut de passagers. Malgré leur prise de conscience du danger, ils se plaignent du manque à gagner. Énormément une perte pour nous, parce que les véhicules ont pris d'assurance, les visites techniques et les impôts, bien les TTR, tout ça là, bon, nous avons pris des documents alors qu'on garde les véhicules. On ne sait pas comment l'État va gérer avec ce dossier avec nous, parce qu'on n'a pas de fonds. On prend un peu d'assurance, on fait des contrats. Il y a même des véhicules qui sont en contrat avec les gens et on garde tout ça là. On ne sait pas comment on peut gérer. Donc c'est une grande perte pour nous, une très grande perte pour nous. La plupart plaident pour un allègement spécial de certaines mesures. C'est un problème de temps qui arrive sur le monde entier maintenant. Le gouvernement nous a aidé. Comment on fait pour rester à la maison? C'est ça que nous cherchons. Le gouvernement nous a dit que, bon, aujourd'hui, on vous aide à cet côté de rester à la maison. En fin de journée, certains vont repartir pour revenir le lendemain. D'autres font le choix de rester stationnés pour ne pas gaspiller du carburant. Et le souhait de tous, c'est que les jours passent vite pour que les activités reprennent de plus belle. Un dernier constat avant de refermer ce mini-journal dans les salons de coiffure également. Les consignes de sécurité sanitaire données par le gouvernement sont bien suivies. Une de nos équipes de reportage conduite par Idriss Oubougari a sillonné quelques salons de Cotonou et Abomey-Calavi pour s'en convaincre. La consigne est bien respectée pour se protéger et protéger les autres contre la pandémie du coronavirus. Se laver les mains est la condition non négociable pour accéder à ce salon de coiffure. Ici comme ailleurs, dans les salons de coiffure, hommes et dames sillonnés à Cotonou et à Abomey-Calavi, on reste vigilant face aux menaces de la COVID-19. Des précautions sont prises afin que ces lieux ne soient pas des nids de contamination. Avant de rentrer, il y a un entretien à vous faire avant de rentrer. Vous devez approcher les clients aussi. Il y a un entretien vous aussi de préparer, de approcher les clients. Cette maladie est étrange pour recevoir mes clients. J'ai mis un dispositif composé de gel alcoolisé et de savon Omo. Ils se lavent les mains avant d'entrer et eux aussi se protègent. Clients les soins nous protéger les pères. Chez moi ici, je ne fais rien de compliqué. Il y a du savon et du citron pour que les clients se lavent les mains avec. Après cela, je passe du gel sur mes mains et porte mes gants avant de travailler sur eux. Dans le rang des clients, l'observance des règles sanitaires contre la pandémie du coronavirus est de mise. Le mode de transmission interhumain du virus est multiple et personne ne veut s'exposer. C'est pour éviter d'attraper le virus qui circule actuellement contre le coronavirus. Ici, il est demandé de se protéger et tout, donc j'ai le devoir de me protéger.
Je me suis lavé les mains correctement avant d'entrer et ça se passe bien ici. Je souhaiterais que partout à Cotonou, bien dans le monde entier, si tout le monde arrive à prendre ce dispositif, ce serait très bon. Au salon, et avant d'entrer, bon, nous lavons les mains et on rince les mains. Nous-mêmes, nous avons le gel sur nous que nous passons de temps en temps. Pour cache-nez, particulièrement, moi, je n'aime pas trop. On sait pourquoi. Non, je suis étouffée. Je suis étouffée. L'une des consignes de sécurité sanitaire pour éviter la propagation de la pandémie est la distanciation sociale, une règle difficile à respecter par les coiffeurs compte tenu des contraintes liées à leurs activités. Et nous devrions un peu pas mal, mais c'est un peu difficile de rester très loin du client. Comme ils ont dit, de rester loin, au moins un mètre. Le client, là, c'est un peu difficile pour moi parce qu'on ne peut pas rester un mètre pour se coiffer. Rester un mètre là, chez nous là, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a aucune tondeuse qui a cette distance là aujourd'hui. Hein? Or, sans la main, on ne peut pas réaliser la coiffure. Sans la main là, on ne peut pas réaliser la coiffure. C'est compliqué quoi. On ne peut pas rester un mètre de distance pour coiffer. La lutte contre la pandémie du coronavirus est effective. L'appel du gouvernement au respect des consignes de sécurité sanitaire est entendu par les coiffeurs qui espèrent que le bénin parviendra à écarter le mal afin que leurs activités reprennent normalement. Voilà, Christian, c'est la fin du bulletin. Et voilà ce que vivent nos compatriotes. Hein. C'est un problème de un peu comme vous paraphrasez le monsieur que nous avons vu dans le reportage des Milibus. Merci beaucoup Naguib Alagbé. Mesdames moi. Et messieurs, l'actualité Covid-19 vient d'emporter le ministre de la Santé. Il est donc démis de ses fonctions par le chef de l'État. Toute l'information à retrouver tout à l'heure dans cette émission Actu Matin. Et puis cette information également qui va certainement au profit des trois partis recalés, FCDB, PER et Moël Bénin. Nous apprenons que le chef de l'État a donné des instructions fermes à la Sénat pour que ces partis soient repêchés. En tout cas, Wahab Ali Barra est en train de glaner toute l'information. Il reviendra à plateau pour nous apporter toutes les précisions. C'est une bonne nouvelle hein, pour ces trois partis. Désormais, nous aurons 8 partis politiques qui participeront à ces élections du 17 mai. Restez avec nous pour toutes les précisions. On va vous retrouver maintenant, Moïse Dossoumou, dans la chronique du jour, la séduction des remèdes miracles. Madame, monsieur, bonjour. C'est la période par excellence de la psychose. Le Covid-19, qui se propage à une vitesse effroyable sur tous les continents, nourrit certains appétits. Pendant que les gouvernements essaient tant bien que mal de contenir la pandémie avec les moyens de bord, des individus et pas des moindres s'investissent dans la manipulation de la masse. Éprouvés, ébranlés dans leur certitude, les scientifiques du monde entier, notamment les partisans de la médecine moderne, se ruent dans les laboratoires à la quête du remède miracle. Ne voulant pas rester en marge de cette dynamique planétaire, les sachants de la médecine traditionnelle, qui ont l'art de tirer des plantes les principes actifs qui combattent les maladies, se sont également jetés à l'eau. Si pour certains, des produits déjà existants et testés donnent des résultats encourageants, pour d'autres, des remèdes fraîchement proposés sont affublés de toutes les prouesses. Et dans la foulée, sans discernement, les populations s'engouffrent dans la brèche. La conséquence directe de ces offres de traitement qui fusent de toutes parts est le recours massif des citoyens à l'automédication, alors qu'ils ne souffrent pas forcément du mal du moment. En temps normal, si on peut fermer les yeux sur cette pratique en vogue dans notre société, la donne change radicalement en temps de crise. La course effrénée des populations vers ces remèdes les expose plus qu'elle ne les protège. Avant la prise d'un médicament, quelle que soit sa provenance, il faut d'abord consulter un médecin et respecter les doses prescrites. Décider soi-même, sans aucun avis médical et sans s'assurer de son état de santé, d'ingérer un produit médicamenteux est une source d'intoxication. L'organisme mis à rude épreuve dans ces conditions ne manquera pas de réagir et les conséquences en découleront tôt ou tard. En agissant ainsi et sans le vouloir, des milliers de personnes deviennent des candidats potentiels
aux insuffisances rénales et hépatiques. En croyant bien faire, beaucoup s'empoisonnent donc par ces temps difficiles. Le respect scrupuleux des mesures préventives suffit largement pour se mettre à l'abri du COVID-19. Au-delà des gestes barrières, le renforcement du système immunitaire qui passe prioritairement par une bonne alimentation participe de la lutte contre cette pandémie. La prévention contre le COVID-19 n'est pas une affaire de médicaments. Il s'agit d'habitudes hygiéniques à adopter et à respecter avec toute la rigueur requise. La bonne attitude pour un phytothérapeute qui croit détenir un remède est de se rapprocher des autorités sanitaires pour leur faire part de sa découverte. En toute responsabilité, à l'issue d'un certain nombre de tests effectués, le gouvernement peut décider de s'en servir pour traiter les cas, dont le nombre aujourd'hui est passé à 11. Un étant déclaré guéri, 10 sont en traitement. D'un autre côté, refouler ou minimiser les sachants, fins connaisseurs des plantes médicinales, est une grave erreur que pourraient commettre les autorités en charge de la gestion de cette pandémie. En dépit des avancées fulgurantes de la science, la médecine moderne n'a pas toujours les réponses appropriées à tous les maux. La preuve nous est donnée avec ce mal qui fait des ravages sur son passage. Mais en ces heures difficiles, le refus de la publicité de tout produit participe de la gestion de la panique. Il est préférable que les populations aient accès aux sources officielles communiquées par le gouvernement plutôt que de se disperser dans tous les sens au risque de s'abîmer la santé. Qu'ils soient homologués ou non, la propagande liée à des remèdes est à éviter pour le bien de tous. À juste titre, le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les médicaments et autres produits médicinaux devra être respecté. Merci à vous, Moïse Dosumu. Vous restez en place. Hermann Parfait à Niamoussou vient de nous rejoindre en ligne. Nous aurons Hakimé Seydou Ousseni pour nos discussions de ce matin. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Quoi de plus beau que d'avoir une fraîcheur garantie avec des marques de qualité? Imaginez un mois de fraîcheur glaciale avec Mikem Technologies, votre leader en électroménager agréé, Samsung, Nesco, Midea et Whirlpool. Jusqu'au 10 avril 2020, faites le choix des experts fraîcheurs dans les boutiques Neo Electronics et Allomobile. Des réfrigérateurs et congélateurs, des climatiseurs split et armoires, dotés d'un moteur silencieux, très économique, 100% écologique et doté de gaz R410. À des prix exceptionnels, revus à la baisse, jusqu'à 35% de réduction. Vite, rendez-vous dans nos boutiques Néo et Allo et n'oubliez pas que la garantie est de 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Avec Mikem Technologies, c'est la fraîcheur validée tout le mois. Contact 60 00 66 66. Amon Anyambousou, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Christian, bonjour Moïse Osomo. Voilà.
Nous aurons deux sujets à aborder, mais deux sujets, hein, un rapport au coronavirus. D'abord, ces mesures contre le coronavirus, les citoyens qui sont à l'épreuve du cordon sanitaire imposé au sud du Bénin depuis lundi dernier. Et puis ensuite, la chronique de Moïse Dossoumou il y a un instant, les pubs sur de supposés remèdes contre le coronavirus, le gouvernement qui veut sévir et avertit donc les médias. Et en ligne, nous aurons Akimé Sédou Ousseni. Akimé, bonjour. Christian Kokoua Dangéjan, bonjour. Moïse Dossoumou, bonjour. Bonjour, Amana Nyambosou. Bonjour, Akimé Ousseni. Voilà. Herman, je commence par vous. Mesures contre le coronavirus, les citoyens qui sont à l'épreuve du cordon sanitaire mis en place au sud du Bénin, notamment dans 12 communes. Depuis lundi, comment voyez-vous nos concitoyens, nos compatriotes vivre cette épreuve? Non, ce qui est certain, on nous avait annoncé 8 villes hein, qui seront qui sont contrôlées par ce cordon sanitaire. Ensuite, c'est passé à 10. Maintenant, on parle de 12 villes qui sont concernées par ce cordon sanitaire-là. Ce qui est certain, l'organisation du quotidien des Béninois est bouleversée avec ce cordon sanitaire, mais il fallait le faire parce que la COVID-19 est en train de faire ravage en ce moment. D'ailleurs, on annonce déjà un 11e cas détecté. On parle d'un parent au 4e cas qui avait été détecté. Les Béninois sont en confinement, hein, des sujets de contact sont en confinement. On parle également de ceux qui viennent des pays étrangers et qui sont également en isolement. Donc cette semaine s'annonce très cruciale, un peu comme Fratelli l'a d'ailleurs annoncé, pour nous dire comment est-ce que le mal fait ravage dans tous les pays et que le Bénin n'est pas épargné. Sauf que ici, quand on parle de cordon sanitaire, je m'attends à ce que logiquement, oui c'est vrai que la mesure demande qu'on puisse laisser entrer ici ceux qui sont conducteurs de véhicules à marchandises, par exemple, c'est-à-dire les camionneurs et tout. Est-ce qu'à ces cordons sanitaires-là, est-ce qu'il y a une équipe de santé qui contrôle tout au moins ceux qui descendent de ces camions, ceux qui sont censés nous apporter des marchandises ou faire quitter les marchandises du Bénin vers les pays de l'Interland ou d'autres pays? Est-ce qu'il y a au moins une équipe de santé qui fait ce contrôle-là? Je pense qu'à ce niveau, il y a quelques soucis. Si ce n'est pas fait, il faut que ça soit fait. Maintenant, pour ce qui est de la fermeture des bars, je crois que... Oui, ce sont des aspects que nous allons aborder tout à l'heure. On va écouter Moïse Dossoumou. Oui, 48 heures déjà de passé, nous sommes dans la troisième journée où nous sommes en train de vivre au sud du Bénin ce cordon sanitaire qui est imposé. Comment voyez-vous nos concitoyens faire face à cette épreuve-là? Non, je constate que tant bien que mal, ils se résignent et ils font face à cette affaire-là, enfin, sous diverses fortunes. Il y en a pour qui ça ne pose pas vraiment problème. Ceux qui n'avaient pas grand-chose à faire au-delà de ce cordon et qui étaient habitués à circuler dans les communes environnantes, eux n'ont pas de grand souci à se faire. Mais ceux qui tiraient l'essentiel de leurs revenus hors de ce cordon, maintenant, ont des soucis à se faire. De la même manière que ceux qui se déplaçaient facilement avec les moyens de transport en commun également, sont plus ou moins coincés à la maison parce qu'ils n'ont même pas les moyens de prendre le taxi ou bien les émigrants. Mais au-delà de ça, l'aspect qui frappe le plus, c'est la fluidité de la circulation. Oui. C'est à croire que l'essentiel du trafic venait hors de ce cordon-là. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, le trafic est très fluide, on circule aisément. Pour ceux qui quittent Abomey-Calavi. Hein, justement, moi je m'attendais lundi matin en venant ici à 6h que la voie serait encombrée comme d'habitude. Mais il n'y avait aucun obstacle sur la voie, de Calavi jusqu'à Cotonou. Pareil hier, pareil ce matin. Donc je me demandais, même en journée, je me vertue à circuler un peu dans les endroits habituellement encombrés, mais je ne remarque rien de tel. Donc on se pose des questions. Était-ce vraiment les travailleurs qui encombraient la voie? Bien, c'est d'autres personnes qui venaient hors de ce cordon. Je continue de me poser la question. J'attends de voir les joueurs venir pour me situer par rapport à ça. Oui, Akimé Sédou Ousseni, vous venez de l'entendre de Moïse Dossoumou, la mobilité qui est réduite hein, dans la ville de Cotonou, un peu comme dans la ville d'Abomey-Calavi. Est-ce à dire que nos populations, les gens venaient à Cotonou pour rien du tout? Non, pas pour rien du tout. Ceux qui venaient à Cotonou avaient bien entendu des objectifs bien précis. Seulement que nous constatons que la situation, elle est d'autant plus préoccupante qu'il vaut mieux faire contre mauvaise fortune bon cœur. La santé avant tout, pour parler un peu en français facile. Moïse a bien fait de caricaturer, je dirais, ce cliché que nous avons depuis environ 48 heures. C'est-à-dire que la circulation, elle est fluide. C'est une réalité. Parce qu'en réalité,
Le bus de défense, comme ce qu'on a appelé souvent les Tokatoka ou encore ceux qui existent Porte Nouveau pour Cotonou ou Semestre pour Cotonou, sont en difficulté. Si vous n'avez pas une solution alternative, vous êtes obligé de rester à la maison. Et les conséquences, on peut en parler tout au long du débat de ce matin, mais toujours est-il que le constat que nous faisons sur le terrain, c'est que les populations sont, bon gré, mal gré, obligées de rentrer dans les rangs et de respecter, je dirais, les dispositions qui sont mises en place en ce moment relativement au cordon sanitaire. C'est donc une réalité, les circulations fluides au niveau des passing gros porteurs, vous l'avez dit, et notamment Emana Niambosu qui met beaucoup plus l'accent. Et là, je suis d'accord, je partage, je dirais, cette invite hein, de Emana qui est bien espérer qu'à l'entrée, je dirais, de ce cordon sécuritaire sanitaire, il y a donc des possibilités de pouvoir s'assurer que les personnes qui y rentrent, notamment celles-là qui ont la chance de venir parce qu'étant donc conducteur de camions gros porteurs, on ait donc l'assurance que tout au moins, elles sont, je dirais quoi, est-ce que c'est vérifié, vous dites les choses comme ça, parce que n'oubliez pas que ces conducteurs de véhicules gros porteurs nous viennent parfois des pays de l'Interland. Et absolument, donc, pour le port de Cotonou, par exemple. Exactement. Il y a qu'aujourd'hui, on parle de cas détectés au Mali, de cas détectés au Burkina Faso, au Niger, au Togo et consorts. Donc, il va falloir que véritablement qu'on ait la possibilité, qu'on ait l'assurance qu'au niveau donc, de l'entrée de ce cordon sécuritaire, sanitaire, on a la possibilité de s'assurer que ces personnes, tout au moins, passent à quelques examens de prise de température et autres. Donc, sinon, en gros, il n'y a que depuis 48 heures, c'est une réalité, on vit de plein fouet, je dirais, ce cordon sécuritaire, sanitaire mis en place par le gouvernement du président Patrice. Alors, est-ce par respect des mesures du gouvernement ou par peur, Moïse Dossoumou? Non, je ne dirais pas par peur, c'est beaucoup plus par respect des mesures, parce qu'ils savent que leur force à elle, qui n'est que privée, ne peut pas aller au-delà de la force publique. Donc quand le gouvernement prend une décision, même quand on n'est pas d'accord, on est bien obligé de la respecter. On peut la critiquer n'importe comment, mais on est bien obligé de rester tranquille face à la force publique. C'est ça qui justifie un peu, disons, la calme ou bien, enfin, ce qu'on doit attendre, la résignation, voilà le mot qui me revient des uns des autres. Mais je voulais insister sur un fait. Oui. Les conducteurs des bus de transport en commun, les personnes fragiles, démunies et tout, il faut qu'on puisse faire quelque chose en direction de ces gens-là, notamment par le biais des filets sociaux. Je l'ai dit la fois passée, ce ne serait pas très intéressant qu'on les laisse ainsi, parce qu'on sait qu'avec les mesures qui sont prises, ces gens-là, dans leur grande majorité, ne peuvent plus exercer leurs activités traditionnelles. Donc, ne serait-ce qu'un petit apport pour les soutenir dans ces conditions précaires, il faut quand même y penser, et ça, il n'y a que le gouvernement qui puisse le faire. Soit on fait appel à la solidarité, comme ça a commencé à travers ces comptes qui ont été mis à la disposition des citoyens. Mais il faut que les personnes fragiles, démunies, les SM pauvres, qui ne peuvent plus se mouvoir comme d'habitude pour aller chercher leur pitance, qu'on puisse faire quelque chose justement à leur direction. Et l'autre chose également, c'est que malgré la mise en place de ce cordon sanitaire, il y a des dérogations qui sont accordées aux uns aux autres. Ou en dehors des camions qui transportent les marchandises, des particuliers comme vous et moi, si les bénéficiaires de cette dérogation peuvent entrer et sortir du cordon. Mais il faut qu'on s'assure justement que ces gens-là également sont en bonne santé. C'est en cela que, au moins, les thermomètres qui permettent de mesurer la température des uns des autres, il faut que les forces de l'ordre et de défense qui sont au niveau justement de ce checkpoint-là puissent en avoir et vérifier que ceux qui entrent et ceux qui sortent sont en bonne santé. Sinon, je ne suis pas certain que cette affaire de cordon sanitaire-là puisse porter ses fruits. Et l'autre chose, le préfet de Lomé, lui, qui estime que chez lui, il n'y a pas de dérogation. Je pense qu'en toute chose, il est un peu dur. En toute chose, il faut adopter une certaine mesure. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Le gouvernement, même qui a pris sa mesure, a dit on peut déroger. Donc, il ne lui appartient pas à lui de dire niet, il n'en est pas question. Pourvu que les gens respectent les conditions qu'il faut pour la dérogation, et il est bien obligé de la délivrer. Alors, la période, c'est deux semaines. On le rappelle à nos téléspectateurs, deux semaines. Et peut-être même que ça peut être revu, c'est-à-dire prolongé, puisque le nombre de cas de contaminité ne fait qu'augmenter. À partir de cet instant, lorsque vous voyez un peu le quotidien de nos concitoyens, les bars qui sont fermés, par exemple, les maquis également qui sont fermés, au niveau de certains supermarchés, on a constaté que durant ces deux jours, il n'y a pas d'ouverture, donc fermée. C'est donc du personnel qui est à la maison. On est allé sur les parcs de minibus. On a entendu les citoyens qui se plaignent du fait que, bon, il n'y a pas d'entrée. Mais Moïse Dossoumou venait de parler de filets sociaux qu'il faut revoir et bien d'autres choses. Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera regardant envers ces personnes-là lorsqu'on sait que, bon, par rapport aux masques, on vient d'apprendre qu'il y a une subvention, les masques qui sont subventionnés.
Au niveau des coupures d'électricité, de compteurs d'électricité à la maison, la SBE qui a sorti un communiqué également interdisant toute coupure, est-ce que les mesures sociales iront véritablement, vont se multiplier et iront en direction des populations? Non. Ce qui est certain, c'est faire de la sourde oreille que de ne pas entendre le cri de cœur des populations. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un fonds de 1 700 milliards de francs CFA qui a été annoncé par le Premier ministre ivoirien pour relever, pour préserver l'économie. C'est ce qui a été dit. Mais quand on dit ça, c'est une manière d'aider les indigents, d'aider ceux qui, comme l'a dit Moïse, doivent se lever tous les matins pour aller chercher leur pitance. Et si le Bénin n'a pas fait l'option du couvre-feu, un peu comme en Côte d'Ivoire, je le cite encore le cas, et un peu comme au Soudan également, c'est bien parce que le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement ont pris la mesure de la situation et se sont dit on ne peut pas tout fermé parce que notre économie n'est pas aussi bien solide pour qu'on puisse fermer baraque et tout et rentrer. À la différence de ce communiqué-là, donc, qui a demandé de fermer les bars et de laisser les restaurants, c'est à croire que les restaurants ne sont que sur une voie pavée, la voie pavée qui est dans la rue vive. Il y a des restaurants également à Cotonou et à ce niveau, je pense que nos autorités, déjà pour avoir vu les policiers faire, devraient normalement leur expliquer ce qu'ils mettent dans restaurant, ce qu'ils mettent dans bar. Parce que, oui, comme vous l'avez dit... N'oubliez pas qu'il y a des bars qui se sont transformés en restaurant. De toute façon, ce qui devrait être fait, c'est des critères. Suivant quels critères on peut dire celui-ci c'est un bar, suivant quels critères on peut dire c'est un restaurant. Parce que, oui, je ne dis pas ça pour dédouaner quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y en a, il y a des restaurants qui ont fermé leurs portes systématiquement parce qu'on veut éviter le coronavirus dans son restaurant. Mais il y a qu'il faut éviter également les abus de nos forces de l'ordre qui pourraient débarquer alors que c'est un restaurant ou c'est un bar. Vous savez, quand vous faites tout dans Cotonou, vous voyez bar, restaurant. Est-ce que c'est un bar, est-ce que c'est un restaurant? Il faut éviter cet amalgame-là. Ensuite, oui, le cordon sanitaire, il faut obligatoirement qu'on mette des éléments. Et la remarque faite par Moïse tout à l'heure, à savoir que oui, il y a une fluidité de la circulation, c'est bien lié au fait que On n'avait pas bien assimilé le cordon sanitaire dont il était question. Pour ma part, ce que je comprenais, c'était que entre Cotonou et Calavi, on devait poser un cordon sanitaire dans la zone de Djonou, le pont de Djonou, pour contrôler tous ceux qui viennent à Cotonou. Mais je comprends désormais que... Vous savez bien qu'à ce niveau, je dis, il est difficile de circuler en temps normal. Sinon, et si on pose un cordon sanitaire là, ça sera compliqué. En fait, maintenant que c'est mis en œuvre, ça nous permet de comprendre clairement que c'est 8 à 10 villes qui sont désormais en isolement à peine voilé. Et désormais, nous sommes tous des malades qui s'ignorent dans cette ville-là. Et donc, c'est ça qui permet de cette fluidité-là. Parce que, n'oubliez pas, les conducteurs de minibus, les conducteurs de Tokpa-Tokpa sont dans Calavi, ils sont dans Agla, ils sont dans... Parce qu'on leur a dit, ne sortez pas, ils sont dans leur maison. Donc, ce n'est pas qu'ils viennent forcément d'ailleurs, mais il y en a qui sont terrés dans leur maison parce que le gouvernement a dit, respectez la mesure, et ils sont obligés de la respecter. Hakimé Seydou Seni, des insuffisances au dispositif mis en place? Non, c'est clair que dans la première prise de parole et même celle de Moïse et puis de Herman, il y a qu'on a relevé qu'à l'entrée donc du cordon sanitaire, il est important, Christian, en disant que si ce n'est pas encore fait, qu'on puisse au moins s'assurer qu'il y a un service minimum sanitaire qui est mis en place pour pouvoir s'assurer que les personnes qui entrent et qui sortent au moins présentent des signes cliniques, je dirais, intéressants. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien. Au regard, je l'ai précisé, de la nationalité d'une certaine sorte des personnes qui entrent. Donc, c'est important qu'on puisse tout au moins, si ce n'est pas fait, qu'on puisse en arriver là. Maintenant, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs, j'avais voulu réagir un peu plus tôt, je me suis rendu compte que je n'étais pas interactif avec vous. Il y a que Moïse a soulevé un aspect très intéressant. C'est par exemple quand le préfet de Lomé estime que chez lui, c'est raide, et dit il n'y a pas de dérogation. Non, le pouvoir même qui a fait l'option d'initier les dérogations, c'est pourquoi est-ce que les dérogations sont prévues. Et donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un préfet dise que, eh bien, à son niveau de son département, il n'est pas patron d'un département. Mais c'est son département, il maîtrise plus que nous la réalité du terrain. Son département est dans la République. Et la décision est une décision de la République, prise par les responsables premiers du pouvoir en place. Et donc, le préfet est un exécutant. En tant que tel, il n'a donc pas à rajouter ou plutôt à redire, Christian, les décisions qui ont été prises par le pouvoir en place. À ce niveau, il a fait faux. Il va falloir forcément que, eh bien, on puisse le rappeler à l'ordre afin qu'il puisse véritablement savoir que s'il y a dérogation, il doit pouvoir faire signer des dérogations afin que les personnes qui en sont demanderesses puissent avoir la possibilité de quitter un point X ou un point Z. Ce n'est pas, je dirais, de bon vouloir. Certainement que les raisons seront évidentes pour pouvoir être bénéficiaire de cette dérogation. Ainsi dit, l'autre élément qui m'a intéressé dans l'intervention de Moïse pour le
lequel je puis appeler d'impatience, c'est, je dirais, cet aspect d'accompagnement social. Oui. Quand on fait un peu, je dirais, le point, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, on n'a pas les mêmes réalités d'un pays à un autre. C'est des milliards de francs CFA que les gens ont mis à disposition dans les pays occidentaux. On ne va pas, on ne se permettra pas, Christian Damédian, de dire qu'on veut aller à l'école de ces pays occidentaux. Mais c'est une évidence aujourd'hui que lorsque vous sentez que la circulation est plus, il y a que des personnes qui sont obligées, bon gré mal gré, de respecter les décisions qui ont été mises en place par le pouvoir en place. Et en même temps, comme je l'avais dit, il y a des conséquences qu'il va falloir qu'on évalue. Mm-hmm. On ne demandera pas certainement au pouvoir en place pendant que nous y sommes. Au regard, je dirais, de la morosité, avant même ce machin de COVID-19, oui. Il y a que c'était déjà pas facile. Maintenant, c'est-à-dire qu'on est obligé, puisqu'on est déjà, de rentrer dans une autre dynamique, je dirais, de gestion financière. Et donc, je suis d'accord avec Moïse quand il fait la proposition d'espérer que le pouvoir en place puisse tout au moins avoir des mesures d'accompagnement vis-à-vis de certains secteurs, le secteur des transports en commun. Oui, que faudra-t-il faire? Recenser les conducteurs de minibus, de taxis et autres là, et leur mettre des moyens à disposition? Ça n'aurait pas été du tout difficile, parce qu'au moins aujourd'hui, on sait que ces animateurs de ces différents secteurs sont d'une manière ou d'une autre déjà, je dirais, dans un répertoire. Quand on parle des transports en commun, c'est un secteur bien connu. Il paye des TVM. Donc, on sait qu'au niveau de cette structure, il y a 70 véhicules et compteurs. Donc, on peut, je dirais, de façon exhaustive, je n'ai pas le modus pendant que nous y sommes. C'est une idée qu'on jette. Parce que oui, il est important tout au moins qu'il y ait, je dirais, ce petit affirmant. Ce n'est pas pour dire qu'on vient complètement, je dirais, apporter la compensation nécessaire, mais au moins on essaie de booster pour dire oui, on est conscient de ce qui se passe et qu'on soit. Donc, pour que cela en soit ainsi et pour que véritablement les comptes qui sont ouverts, que les personnes qui avaient été bénéficiaires, c'est-à-dire les structures, les entreprises, en sont en de la bonne santé des populations, puissent au moins en retourner un peu. Je ne voudrais pas étiqueter des structures, mais il y a des structures qui, lorsque les populations sont en bonne santé, sont les grosses bénéficiaires, je dirais. On vous a entendu, on va vous laisser souffler, Hakim Sélou Séni, le temps voilà. de faire réagir Herman et Moïse en plateau. Herman. Non, ce qui est certain sur l'accompagnement social, c'est un fait. Il faut aller vers cet accompagnement. Vous avez annoncé tantôt les masques qui sont subventionnés. Oui, la SBE qui dit de ne pas couper l'électricité pour nos factures, pour nos paiements de factures. Mais tout est dit que les factures sont là et devront être payées tôt ou tard. Pour l'heure, la SOLEM n'est pas encore intervenue pour nous dire si on peut utiliser d'abord l'eau en attendant de réfléchir à comment on paye les factures d'eau. Il y a beaucoup d'autres mesures également, comme ils l'ont dit avant moi. Que le gouvernement doit prendre, si c'est mettre en place un fonds, mais toujours est-il que à ce niveau, par exemple, et là je fais référence à un ancien système, le système Boniaï, qui a parlé des boutiques de l'UNASA. Vous vous rappelez la période où on a mis ces boutiques là à contribution pour distribuer du riz, pour distribuer du maïs et pour beaucoup de vivres. Est-ce qu'il ne faut pas rapidement entrer dans cette dynamique là pour mettre à ceux qui sont dans leur maison, et que le chef de l'État a d'ailleurs remarqué dans son entretien dimanche, il dit c'est des gens qui donnent la porte la veille, on vient, on dit bon, tenez 200 francs, achetez du maïs. Le temps d'aller faire un peu un tour dans la ville, je reviens à 10h, 11h pour donner l'argent à faire moudre le maïs. Et je dis, bon, préparez-moi la pâte avec ce qui est là. Et le soir, en venant, j'apporte du poisson avec un peu de piment. Et les enfants sont à l'aise. Ils sont d'ailleurs très intelligents au boulot. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller à cette école-là rapidement, réajuster les choses pour qu'on puisse... C'est votre contribution ce matin. Et puis, on va revenir sur cette actualité également, cette sortie des membres du gouvernement pour aller contre les publicités sur de supposés remèdes contre le coronavirus. Hakim Sélou Séni, Moïse Dessoumo en parlait d'ailleurs dans sa chronique du jour. C'est le temps des publicités ou des émissions qui sont réalisées et diffusées sur les médias. Le gouvernement met les médias en garde. Bonne option? Non, c'est une très bonne option, Christian Dandia, parce que si on n'arrête pas la saignée, franchement, ça va dans tous les sens. Et beaucoup plus avec cette utilisation abusive des réseaux sociaux, il va falloir forcément que il faut saluer, je dirais, la justesse de cette sortie des membres du gouvernement. Prenez juste le temps d'aller sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'ils sont bien nombreux aujourd'hui à proposer, je dirais, des solutions miracles à cette pandémie de COVID-19, alors même qu'on connaît un peu la procédure pour pouvoir mettre sur le marché un produit. Il y a bien de couloirs que ces produits suivent. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas, ça va dans tous les sens. Chacun se proclame aujourd'hui, Christian Dandé, je dirais, concepteur de tel ou tel autre produit pouvant
participer au traitement du Covid-19, il va falloir rester. Prévention ou au traitement, les deux? Non, les deux. Il y a la prévention et le traitement. Et puis donc, quand on ne fera pas ainsi, franchement, pendant que nous luttons contre la pandémie du Covid-19, on va se retrouver encore à gérer des problèmes d'insuffisance rénale et bien de choses autour. Donc, c'est bien, c'est salutaire, cette sortie médiatique des membres du gouvernement. Les médias méconnaissent-ils ce décret? Je vais rappeler cela aux téléspectateurs. Le décret 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicinales, les médicaments et autres produits médicaux. Nous n'est censé ignorer la loi. Et ces dernières années, cette affaire est revenue à plusieurs reprises. La RAC a interdit, le ministère de la Santé a interdit, il revient encore interdit à nouveau. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. C'est juste qu'on fait semblant de ne pas savoir et puis on continue ainsi. Parce que le mieux pas que c'est de la publicité, donc ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Mais au-delà de ça, en temps de crise, il faut faire attention. Parce que la prévention contre cette affaire de COVID-19, là, ce n'est pas dans la prise de médicaments. Ce sont les gestes barrières à observer. C'est le renforcement du système immunitaire et ça passe par quoi? Par une bonne alimentation, déchets barrières, c'est aussi simple que ça. Mais quand on n'est pas en mesure de faire ça, il ne faut pas aller chercher un maître pour dire je prends ça d'abord pour me prémunir, mais au cas où j'ai la maladie, je prends ça, non. Quand on est malade, il faut s'assurer qu'on est vraiment malade. Non, mais lorsque le remède est vendu à travers les médias et bien vendu, les populations tout de suite se ruvèrent, oui. Quand vous êtes malade, mais quand vous sentez que ça ne va pas dans votre organisme, assurez-vous que vous êtes vraiment malade et que c'est telle maladie et que pour telle maladie, il faut tel remède. Et quand ce n'est pas le cas et qu'on se jette dans l'automédication, c'est des ennuis qu'on se crée soi-même. Et même en cette période de crise-là, je pense qu'il faut encourager même nos thérapeutes qu'ils veulent trouver des remèdes à cette affaire et certains qui ont déjà proposé. C'est très bien. Et dans le même temps, il faut que ceux-là aillent maintenant vers les autorités sanitaires pour leur dire « voilà ce que j'ai pu découvrir, voilà ce que je propose » et que les autorités-là ne les refoulent pas au nom de la médecine moderne, au nom de leur pensant pour la médecine moderne. Qu'elles aient l'intelligence de prendre ces remèdes et de les tester pour voir si on ne sait jamais le remède, bien la solution ne se trouve pas là. Mais quand on ne fait pas ça et qu'on se met juste à proposer, à faire de la publicité, à vendre, on ne fait combien aux populations qui déjà prises de panique, qui déjà englobées dans la peur, se ruent vers ces produits, et même certains se mettent déjà à consommer, alors qu'ils n'ont aucun problème, ils n'ont rien. Et ils se ruinent ici la santé. Je pense que pour encadrer la panique au mieux, pour éviter que les gens tombent dans la psychose, il faut que tout vienne de l'officiel et qu'on sache que quand on a certains signes, quand il y a ci, quand il y a ça, voilà le canal qu'il faut emprunter. Quand c'est comme ça, on est plus discipliné, on arrive mieux à gérer les choses, plutôt que chacun aille dans tous les dans sens. Dans tous les sens, c'est chercher son remède. Et c'est même l'effet contraire qu'on va observer, parce qu'en voulant se protéger, on s'expose davantage et le mal, maintenant, ira en galopant. Surtout que nous avons des populations majoritairement analphabètes et ce sont elles qui se ruent très rapidement vers ces produits-là. Non, ce qui est certain, les populations méninoises ne sont pas habituées à aller voir le médecin quand on sent des bobos, quand on sent des céphalées, quand on fait ci ou fait ça, juste parce que le parent d'à côté vous dit « oui, quand j'ai le mot de la fois dernière, j'ai pris telle chose, ça m'a guéri, on y va ». Aujourd'hui que nous sommes en période de crise, je pense que le gouvernement a sonné la fin de cette publicité de la mort. C'est vrai que effectivement les médias profitent de ce silence, de ce sommeil de la HAC qui plusieurs fois rappelle à l'ordre, mais qui pratiquement ne sévit pas, qui se contente juste de rappeler des gens à ce qu'ils ne fassent pas de publicité au niveau des plantes médicinales. Mais toujours est-il, comme l'a dit Moïse, effectivement, nos travailleurs thérapeutes ne sont pas aussi nuls. Il faudrait les associer aux différentes démarches qui sont menées en vue de trouver un traitement à la maladie. C'est vrai que pour l'heure, il n'y a pas un traitement préventif. Oui. C'est quand vous êtes atteint du mal que vous êtes interné et on suit le traitement de l'autre côté là. Malheureusement, il y en a qui pensent que oui, quand on prend tel médicament, telle décoction, tel ci, tel ça, on se prémunit contre la maladie. Mais alors que c'est seulement malheureusement les problèmes qu'il faut mettre en pratique. Oui, Hakim Essayidou Sini, je vais vous emmener à réagir sur ce sujet, c'est le troisième sujet que nous allons aborder. Depuis quelques jours, des vidéos obscènes tournées dans nos établissements qui fait le tour des réseaux sociaux. Vous est-il arrivé déjà de tomber sur l'une de ces vidéos, Hakimé? J'en ai malheureusement visualisé hier, bien malheureusement. J'en ai visualisé hier et j'ai été choqué. Choqué d'autant d'ailleurs que quand vous visualisez ces vidéos, vous vous rendez compte que c'est de commun accord avec, je dirais, tous les acteurs qui sont retrouvés sur cette vidéo-là. Ce sont nos enfants, ce sont nos soeurs, ce sont nos frères qui sont dans nos établissements d'enseignement privé, pour ce que j'ai lu au niveau de cette vidéo-là. Oui. Je n'ai pas compris à quel moment, de façon plus précise, se sont déroulées ces scènes. Ça doit être entre deux coups.
entre deux coups, bien entendu. Ce n'est pas seulement, je dirais, des vidéos du sexe, mais c'est aussi que dans cette vidéo et dans cette vidéo, on a constaté que par endroit, il y avait, je crois, du sang indien. Je ne sais pas si j'ai bien lu, parce que j'ai eu la chance d'avoir, ou malheureusement, visualisé ces choses. Et je me suis rappelé qu'il y a, je crois, quelques mois en arrière, une situation du genre dans certains établissements et où je crois qu'il y a eu la réaction des établissements qui sont allés jusqu'à l'exclusion. Ce qui m'a choqué, au-delà, je dirais, de ce que j'ai visualisé, c'est, je crois, la sanction qui a suivi. Parce que pour l'info que j'ai, il n'y a eu que dans la foulée, le conseil d'établissement s'est réuni et où les parents d'élèves étaient présents avec les établissements et les élèves, je crois. Et entre autres sanctions, je crois avoir lu, je crois, 10 jours de suspension. J'ai lu 6 jours de suspension par endroit et j'ai lu une exclusion définitive pour celui qui aurait envoyé la vidéo auprès d'un autre qui n'est pas de l'établissement et qui les a divulguées au niveau donc des autres réseaux sociaux. Et je me demande finalement, est-ce que ce n'est pas une question de tel père, tel promoteur et tel élève? Parce que je ne comprends pas, Christian Damien, là je suis très amer, je ne comprends pas que nous ayons eu à visualiser ces vidéos qui ne sont du tout pas intéressantes et qu'en retour en termes de sanctions, peut-être que Moïse va me contredire, je sais que c'est partie de ceux qui aiment les sanctions. Non, justement, ce dont vous parlez, c'est vrai. Oui, je ne comprends pas que ce... Vous pensez quoi, que c'est minime comme sanction? Je dis, Christian, c'est hyper minime. Et j'ai été même très... Ma colère a été un peu, je dirais, adoucie par le fait que, semble-t-il, le procureur de la République aurait pris le dossier à bras le corps. Oui. Pour voir ce que ça va donner par la suite. Mais franchement, en termes de sanctions, ça n'est pas une sanction, c'est plutôt une promotion à davantage se livrer à ces gens du CERN. Et franchement, je suis choqué, je suis désolé par cette réaction. Vous êtes tout aussi choqué, oui. Herman, Moïse, vous êtes tout aussi choqué? Je ne suis pas choqué. Oui. Pourquoi? Cette affaire, c'est là qui cache la forêt. Ce sont des réalités qui sont là et qu'on fait semblant d'ignorer ou bien de ne pas savoir. N'oublions pas qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les portables qui sont à disposition, même des gamins, des gosses et tout, avec la drogue qui circule partout, il y a cette déviance-là. Et beaucoup de parents le savent, mais fait d'ignorer. Et beaucoup de responsables d'établissement savent, mais ferment les yeux. Et quand il y a ces gens d'exception, quand ce scandale est révélé, bon, tout le monde s'indigne, et puis quelques temps après, on passe à autre chose. Je pense que c'est le moment de revoir un peu notre système éducatif. J'ai comme l'impression qu'on s'attarde un peu trop sur les programmes, sur les cours, les matières, tout le reste. Et on occulte le volet, disons, éducation sexuelle, responsabilité sexuelle. Ça me semble fondamental. Parce qu'on ne peut pas demander à des enfants pubères qui ne sont pas encadrés de ne pas aller vers là. Ce n'est pas possible. Et là où le mal blesse, c'est que dans une école donnée, c'est des enfants de seconde. On dit bien seconde, c'est-à-dire qu'ils sont à peine majeurs, sinon encore mineurs. Et qui s'adonnent déjà à ça au moyen même de vidéos. Imaginez quand ils seront plus adultes. Lorsqu'ils vont sur Google, donc, au lieu de. Ces enfants, oui, mais quand on met l'Internet à disposition, quand on met le portable à disposition, quand le monde fait en sorte que les choses évoluent, qu'il y a ces travers-là, il faut encadrer. Et quand on dit encadrer, c'est que c'est un tout. Ces enfants ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'être récupérés. La sanction, d'accord, mais s'il n'y a pas que ça qui puisse les sauver. Voyez, il y a quelques mois, sinon quelques années, quand cette affaire a défrayé la chronique d'une université catholique, les enfants n'ont pas été renvoyés. Au contraire, ils ont été confiés à l'aumônerie pour qu'ils soient un peu récupérés. C'est ça qu'il faut. C'est des déviances qui sont observées et qui sont la base de l'irresponsabilité des adultes. Là, je pèse bien mes mots. Je n'absous pas les enfants. Mais je dis que c'est parce que les adultes, y compris parents, éducateurs et tout, sont irresponsables qu'ils en sont venus là. Il faut les sauver, repenser les programmes et faire en sorte que nos jeunes adolescents soient plus responsables quand ils vont de ce côté-là. Et ça passe par l'information qu'on met à la disposition, non seulement à l'école, mais aussi à la maison. Tout ça, c'est fondamental. Alors, le sexe qui reste un sujet tabou dans des familles pour les enfants et autres, est-ce ça qui conduit nos enfants, une fois sortis du cadre familial, peut-être dans les établissements scolaires, un peu comme le cas que nous dénonçons ce matin, se donne et se livre à ce genre d'actes? Vous avez dû constater sur ces vidéos-là que les enfants n'ont pas pratiqué de telles ignominies à la maison. Ils l'ont fait à l'école. Ce sont nos enfants, ce ne sont pas mes frères et sœurs, ce sont nos enfants parce que à leur âge, j'aurais pu faire un enfant qui a déjà dépassé leur âge. Ce sont des enfants qui sont pratiquement inconscients. Moi, je ne veux pas indexer la responsabilité des parents, pas du tout. Le parent qui laisse son enfant quitter la maison, l'enfant qui va à l'école, ils sont bien habillés. Ce n'est pas que des enfants qui ont porté mini-jupes, qui ont porté des trucs, qui devraient interpeller les parents. C'est des enfants qui sont allés à l'école en tenue scolaire.
Et on les voit en classe, entre deux cours sans doute. Ou... Et puis, la vidéo est tellement bien montée qu'il y a même une musique en fond sonore. C'est comme pour dire, oui, on a réalisé un exploit. Et là, je me demande pourquoi est-ce qu'on sanctionne plus sévèrement celui qui a publié les choses. Et on donne 10 jours de suspension, 10 jours de ci pour ceux qui sont vraiment passés à l'acte. Oui. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. C'est vrai, Moïse a parlé de cette histoire dans l'école, dans une école catholique où les enfants étaient confiés à l'aumônerie, mais ça n'a pas cessé. On a vu après cette fille-là devenir une, je ne sais pas si c'est, on parle de la même personne, elle est devenue star. Oui, d'accord. En tout cas, pour ceux que nous avons vus, ils sont devenus des stars des réseaux sociaux, des stars de WhatsApp et consorts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'on peut autant confier à ces éléments-là aussi à l'aumônerie qu'on les confier à des structures qui vont s'occuper d'eux? Oui. Moi, je dis, le problème reste intact. Il faut qu'on y aille et qu'on y pense, qu'on y pense sérieusement. Vous êtes parents, vous voyez votre enfant commencer par développer les caractères sociaux secondaires. Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous vous rapprochez de lui? Est-ce que vous devenez son ami, son complice? Mais vous vous dites, bon, il ne fera rien, il est encore jeune. C'est de ça que les questions. Je n'absous pas les enfants. Mais les parents, même les éducateurs, là, qu'est-ce qu'ils font pour encadrer leurs enfants pour qu'ils n'aillent pas vers cette déviance-là? Combien de parents voient leurs enfants, garçons comme filles de 14, 15, 16 ans, 17 ans, et leur parlent de sexe? Combien le font? Combien arrivent? Il y en a qui mettent même la sévérité dedans, qui sont très sévères envers les enfants, qui vont s'éclater alors dehors. Non, la sévérité, c'est bien. Mais malgré la sévérité, il faut que l'enfant aient confiance en vous, se disent que je peux aller vers papa, moi, leur parler de mon petit copain, de tel et tel, afin d'être encadré. Mais quand ce n'est pas le cas, quand c'est un blackout à ce niveau, l'enfant libéré à la rue, à l'école, au moment de l'incarnation, va dévier. Il n'y a rien à faire. Je suis d'accord. Donc les avec parents, Moïse, les éducateurs ne peuvent pas fermer les yeux. À qui veut continuer de vous parler là. D'accord avec Moïse. Ce n'est pas possible. Non, je crois que Moïse ne dit plutôt que les enfants n'ont pas une responsabilité dans cette affaire. Je suis d'accord lorsqu'ils l'estiment. Et ça, c'est une évidence qu'à un moment donné, les parents, certainement, ont fui les responsabilités. Je suis d'autant plus d'accord qu'il y a des familles dans lesquelles, notamment celles qui sont appelées des familles plus ou moins bien aisées, qui mettent à disposition déjà depuis 10 ans, 12 ans, 13 ans, déjà des portables d'une certaine qualité à disposition de leurs enfants. Qui permettent à leurs enfants, je dirais, d'avoir dans leur chambre, je dirais, seul une télévision avec un décodeur, tout ce qu'il y a autour. Et on connaît très bien que les enfants, aujourd'hui, avec la connexion Wi-Fi, ont la possibilité de télécharger plusieurs choses à la fois. Il n'y a pas de site interdit à tes enfants. Ils rentrent n'importe où, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est un élément premier qui explique forcément, comme il a dit Moïse, la déviance à laquelle nous assistons en ce moment. Mais en même temps, j'estime qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on puisse taper fort, quelque part. Qui va taper fort? Allô? Qui va taper? Qui doit agir? Qu'est-ce qui va agir? Oui. Non mais la situation actuelle au niveau de cet établissement, il n'y a pas de responsable. Ils ne sont pas responsables à 100% de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais alors pas du tout. Non, mais lorsqu'il y a certains responsables d'établissement également qui se mettent à jouer de ces genres d'actes avec les élèves, leurs élèves et autres, est-ce que ça ne pose pas problème? Moi, je trouve que la solution, est-ce l'école, est-ce les parents ou à l'État de trouver un moyen pour mettre un terme à cela? Non, chacun a sa part de responsabilité. L'État qui va certainement corser, je dirais, s'assurer des dispositions mises en place au niveau de nos établissements en ce qui concerne tout au moins le volet éducation. Parce que là, c'est un élément sur lequel Moïse met l'accent qui est très, très, très important. On est beaucoup plus dans l'exécution des programmes que dans l'éducation des enfants au niveau de nos établissements. Et ça également, il va falloir corriger. Est-ce que ces établissements, comme ça a été le cas par le passé, ont des surveillants généraux? On me dira certainement que ce n'est pas évident. C'est aussi une question qui peut. Des surveillants généraux qui sont amis des élèves. Malheureusement, bien malheureusement. Le serpent qui se mord la queue, c'est bien malheureusement. Donc, pendant que nous étions pour forcément qu'on puisse trouver la parade pour arrêter cette histoire, parce que franchement, ça fait une allure pas du tout intéressante. Et j'avoue qu'à cette allure-là, on a beau dire qu'il faut rééduquer, juste avec Moïse, et resensibiliser, travailler avec les enfants, mais il n'y a que si on ne tape pas de poing sur la table à un moment donné, qu'on ne sanctionne pas avec la dernière rigueur quelque part. Il n'y a que nous n'allons pas sortir de l'auberge. Il y avait une réaction qui venait de vous, Aimante Parfait à Niambou. Oui, vous n'étiez pas d'accord avec Moïse? Non, je suis d'accord en partie avec Moïse quand il demande aux parents de parler, d'échanger avec les enfants quand ils ont atteint un certain niveau, un certain âge.
Mais Moïse et moi, on n'a pas eu cette chance-là hein, d'échanger autour de la question avec nos parents. Non, mais en votre temps, il n'y avait pas de téléphone portable. Ça n'a pas fait de nous des enfants gâtés de la République. Il n'y a pas de téléphone portable. Donc, oui, en fait, et à l'école, on chicotait sérieusement. C'est ça. Oui. C'est ce que j'ai noté. J'ai noté l'absence de la chicote. La peur qu'on nous vendait avec la chicote, avec les courroies des motocycles. Mais tout ça a quitté aujourd'hui l'enseignement. De sorte qu'aujourd'hui, l'enfant que vous... C'est pas à qui vous juste vous faites un petit doigt dans la joue, il peut se plaindre à ses parents, le parent qui surgit et qui fait de grands bruits. Alors même que Moïse l'a dit, je suis d'accord avec lui, le parent qui prend un portable, un téléphone portable à son Android, hein, c'est pas ce que nous avons, c'est pas les Shintok que nous avons ici, mais des parents qui achètent des portables high-tech à leurs enfants. Et ces surveillants généraux, qui aujourd'hui peuvent aller trinquer avec leurs études, leurs élèves et tout. Parce que oui, on dit que le monde a changé. Est-ce que le monde a changé? C'est sûr à quoi nous assistons. Hein? C'est sûr à quoi nous assistons. Ou en pleine salle de classe, on voit une fille en train de faire ce qu'on pas décrit sur ce plateau. Mais je dis, j'ai été écœuré quand j'ai vu ces vidéos-là. Et je me demande bien ce que... Vous allez revoir ça encore? Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et je prie Dieu pour que ceux qui envoient ça sur les réseaux sociaux nous épargnent de ces genres de vidéos. Malheureusement, la conscience a déserté le forum. Et il s'y trouve des adultes qui partagent de ces genres de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est que la partie physique de l'iceberg. Oui. Ça, c'est ce qu'on a pu réussir à filmer ça. Mais ce qu'on ne filme pas là, ça va largement au-delà de ce qu'on a vu. Ouais, c'est vrai. Donc le mal est vraiment profond et il faut agir pour contrecarrer ça. Le mal est profond et il faudra agir. Que faut-il faire? Il faut éduquer. C'est ce que je vais réfléchir. Ça ne suffira pas à l'éducation. On va réfléchir sur la question, sur le sujet, et nous allons revenir en plateau pour en parler. On va trouver demain. Merci beaucoup, Moïse Dossoumou. Hakim Essédou, Ousseni, quelque chose à ajouter? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est la problématique actuelle. Il faut tout au moins, déjà comme l'a proposé, je crois, Moïse, instaurer l'éducation sexuelle au niveau de nos établissements. C'est très, très important parce que visiblement, on est passé à côté et de plus en plus, si rien n'est fait à ce niveau-là, franchement, on aura encore à en dénombrer suffisamment. Peut-être que la prochaine fois, ce ne seront plus des vidéos qui vont circuler. Comme l'a dit Moïse, c'est la phase visible de l'iceberg. Il y a certainement plus profond et plus dramatique ailleurs. Donc, c'est clair que les pouvoirs publics, les établissements, les promoteurs qui sont seulement à la quête, je dirais, pas de la sécurité sexuelle des enfants, il va falloir qu'ils puissent changer de fusil d'épaule parce que véritablement, on en a. Merci. Merci beaucoup à vous, Hakim Essédou Ousseni. Vous étiez donc au téléphone avec nous, Emmanuel Parfait, Ania Moussou et Moïse Dossoumou. En conclusion, je dirais que notre État a beaucoup de problèmes. Un peu dans plusieurs régions du Nord Bénin, c'est l'alcool frelaté qui est en train de décimer la jeunesse. Dans nos établissements scolaires, ce sont les élèves qui se livrent à l'alcool, à la drogue, au sexe et bien d'autres choses. Alors même qu'on dit que l'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse, quelle jeunesse avons-nous au Bénin? Grosse interrogation. Merci à vous, chers amis. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, restez en place. Le plateau de l'invité du forum, c'est tout de suite. Quoi de plus beau que d'avoir une fraîcheur garantie avec des marques de qualité? Imaginez un mois de fraîcheur glaciale avec Mikem Technologies, votre leader en électroménager agréé, Samsung, Nesco, Midea et Whirlpool. Jusqu'au 10 avril 2020, faites le choix des experts fraîcheurs dans les boutiques Neo Electronics et Allomobile. Des réfrigérateurs et congélateurs, des climatiseurs split et armoires, dotés d'un moteur silencieux, très économique, 100% écologique et doté de gaz R410. À des prix exceptionnels, revus à la baisse, jusqu'à 35% de réduction. Vite, rendez-vous dans nos boutiques Néo et Allo et n'oubliez pas que la garantie est de 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Avec Mikem Technologies, c'est la fraîcheur validée tout le mois. Contact 60 00 66 66. Vous avez un véhicule 4 roues, vous voulez le réparer ou juste l'entretenir? LPM met à votre disposition ses ateliers équipés et animés par des professionnels confirmés. Un véhicule de dépannage facilite les interventions partout sur demande pour votre véhicule. Avec les garages Les Bagnoles Motors, vous êtes bien accueillis et bien servis. Les garages professionnels LPM à Papa PK3 et en face de l'aéroport, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contact téléphone 00229 21 31 0046 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques.
Ange Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu Tombola du 15 février au 15 juin 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer ? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Vous n'aimez pas les files d'attente ? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919 dièse. Et oui, avec l'UBI Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique, c'est UBI. Pour plus d'informations sur UBI Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. Après 8h, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, n'oubliez pas, nous allons recevoir en plateau Wahab Ali Para qui a pour nous une information que je vous rappelle très rapidement. Eh bien, cette information de dernière minute où nous apprenons que tous les partis iront désormais donc aux élections. Vous l'avez appris, Julia Saïzano, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. Les trois partis recalés, FCDB, PER et puis Moël Bénin. Qui vont vous rejoindre. Ah bon? Oui. Ben j'avoue que c'est totalement une surprise pour moi. Tout compte fait, on va en parler tout à l'heure. Bienvenue donc en plateau. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau est qualifiée pour prendre part aux élections communales du 17 mai. Et la soirée s'épicée, je veux parler de l'Union. Ça doit être un soulagement pour votre parti, vous qui êtes porte-parole de ce parti politique dirigé par Claudine Prudencio. Déjà, merci pour l'occasion que vous nous offrez, soit de nous prononcer sur cette actualité. Pour un parti tel que l'UDBN, qui a nourri en vain des ambitions pour être présent aux échéances électorales de 2019, être qualifié pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, vous comprenez que c'est un grand soulagement pour nous parce que ça nous donne finalement l'occasion d'assouvir notre revanche et de montrer que l'UDBN est effectivement... Vous avez une revanche ? C'est forcément une revanche à prendre parce que nos militantes et militants attendaient que l'UDBN puisse participer aux dernières législatives. Les circonstances n'ont pas voulu que cela se fasse, qu'à cela ne tienne. Nous avons dû batailler pour que, véritablement, nous puissions être en règle pour participer, n'est-ce pas, aux échéances qui s'annoncent pour le 17 mai. Oui, hier, quand le récépissé définitif vous a été donné, a été donné à l'UDBN, il y a celui qui représentait l'UDBN à cette séance-là, Maître Cyril Dicuy, l'ancien bâtonnier, qui dit ceci, je cite, « L'UDBN vient de recevoir son récépissé définitif, quel jour ?» Et il dit, le Seigneur est avec nous, quand le Seigneur est dans une barque, elle ne chavire pas. Est-ce à dire que c'est pour vous une grande surprise? Une surprise, non, pas du tout. Parce que nous avons mis les petits plats dans les grands pour que véritablement l'UDBN puisse participer aux prochaines élections. Sans rachat, nous avons fait tous les efforts nécessaires. Et c'est l'occasion pour nous, c'est vrai, de témoigner notre reconnaissance à Dieu. Il a raison, Maître Dicuy, parce que ce n'était pas toujours évident. Vous savez, la réforme du système partisan, c'est aussi beaucoup de contraintes. Mais grâce à l'organisation mise en place, grâce aussi aux expériences passées,
nous avons su nous organiser de manière à obtenir le résultat qui est l'obtention de ce récépissé définitif sans rachat, comme je le disais tantôt. Et donc, Maître Dikui a totalement raison, mais ce n'est pas une surprise. C'est un résultat que nous attendions sereinement à l'UDBN parce que nous avons fait les efforts nécessaires. Nos militantes et militants ont fait les efforts nécessaires. Nos coordonnateurs au niveau des 24 circonscriptions électorales, c'est l'occasion pour moi de saluer leur témérité, leur bravoure, parce que c'est grâce à eux que nous avons pu obtenir ce récépissé définitif. Alors, lorsque vous dites que vous avez fait des efforts nécessaires, quels sont ces efforts-là? C'est quoi le parcours jusque-là, ce parcours qui a conduit donc à cet exploit réalisé par votre parti? Sous le leadership de la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, qu'on ne présente plus, et nous avons dû à l'UDBN commencer très tôt, n'est-ce pas, par envoyer les consignes aux différentes coordinations de circonscriptions électorales. Très tôt, c'était quand? Après l'échec au niveau des législatives, vous n'avez évidemment pas réussi à participer, ou après l'obtention du récépissé du ministère de l'Intérieur? Vous auriez constaté que l'UDBN n'est pas resté trop longtemps à rechigner sa colère ou son amertume. C'est vrai que c'était difficile pour nous, mais on s'est réorganisé très tôt au niveau de l'UDBN, et la présidente a organisé sa troupe en demandant justement à tous les coordonnateurs de commencer par avoir en tête l'échéance des communales et municipales. Et quand le corps électoral a été convoqué par le président de la République, immédiatement, la présidente Claudine Afiavi Prudencio a encore répercuté les mêmes consignes pour que les différents coordonnateurs démarre avec, n'est-ce pas, la prospection des bons candidats au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes dynamiques, pour que nous ne soyons pas pris de court. C'est ce qui a fait que l'UDBN a eu suffisamment du temps pour se préparer, a eu également de très bons candidats. Ça n'a pas été aisé, n'est-ce pas, à des moments donnés pour faire le positionnement, parce que beaucoup de jeunes méritants, beaucoup de femmes dynamiques voulaient forcément être sur la liste du parti du maïs. Beaucoup de gens nous ont rejoints parce que, voyant que certainement l'UDBN était très bien organisé, il y avait de l'opportunité pour eux de se faire élire. Nous avons donc eu beaucoup de candidats, et c'est cela aujourd'hui qui permet cette organisation, cette réussite. Je ne trahis aucun secret si je vous dis que la présidente du parti, depuis près de 3 mois, a carrément installé un comité de suivi et d'analyse des différents dossiers de candidature qui lui parvenaient, pour que nous puissions être totalement à jour. Et ça a été le cas, et on ne peut que remercier Dieu pour ça. La réception du récépissé définitif n'est pas une fin en soi. Là, je cite Maître Cyril Dikui. C'est maintenant que le plus dur commence. Les militants de l'UDBN avaient commencé à désespérer parce qu'on a une fois échoué. Et ils se demandent si cette fois-ci ne serait pas comme la première, malgré leur combat, leur détermination. Quel est aujourd'hui l'état d'âme de vos militants que vous semblez magnifier? Oui, que nos militantes et militants aient pris des semaines pour s'inquiéter, je crois que c'est normal, parce que nous croyons aussi avoir eu une bonne préparation en 2019. Mais je crois que la présidente n'a cessé de marteler le fait que les élections prochaines sont des élections pour que l'UDBN se révèle. Et je crois que ça sera le cas. L'UDBN va prouver, n'est-ce pas, à toutes les Béninoises et aux Béninois que nous avons une assise, un ancrage, n'est-ce pas, qui nous permet véritablement d'ambitionner aussi aller à la conquête du pouvoir. Et donc aujourd'hui, ces militantes et militants doivent être totalement rassurés. Il est passé le temps des doutes. Il est passé le temps des inquiétudes. C'est véritablement le moment, comme Maître Dikui l'a martelé, de commencer par mouiller le maillot pour prouver que réellement l'UDBN a totalement raison de participer à ces élections. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir le récépissé définitif, mais il fallait quand même l'avoir de manière totalement légale, de manière totalement objective, comme je l'ai dit, sans rachat. Nous avons ces formations politiques qui ont réussi à passer les mailles de la Sénat.
dans l'UDBN. Mais que peut l'UDBN face à ces gros poids, l'UP, l'EBR, le PRD et FCBE? D'abord, je suis surpris de vous entendre parler de gros poids. Moi, je ne connais pas de gros poids sur la scène politique. Il y a beaucoup qui qualifient votre parti politique comme étant un petit poussé, hein, qui va se faire broyer par ces gros partis politiques qui ont démontré leur preuve. Hein. D'abord, je veux insister sur le fait que, à la faveur de la réforme du système partisan, je ne connais pas d'abord un parti politique qui peut se targuer, n'est-ce pas, d'être une grande formation politique qui écrase les autres. Je ne connais pas le résultat sur lequel les gens pourraient se baser. S'il faut regarder les différents attelages, n'est-ce pas, qu'il y a derrière certaines formations politiques que je respecte par ailleurs, s'il faut regarder l'ancienneté de certains qui se retrouvent dans ces formations politiques, pour conclure à ce qui est dit là, je crois que c'est tout faux. On a vu dans ce pays, n'est-ce pas, des candidats bénéficier d'attelages politiques plus impressionnants, mais ils n'ont pas pu forcément battre le candidat Patrice Talon. Et donc, nous autres à l'UDBN, ce que nous pensons, c'est que ce sont les populations qui décident de qui est le grand parti, de qui mérite de diriger les communes. Ce sont les populations qui pourront dire que tel candidat est compétent pour présider à la destinée de telle commune. Donc, qu'on cesse de croire qu'il y a de grands partis, il y a de grandes formations. Non, ce n'est pas cela. Nous y allons à ces élections. En tout cas, en ce qui nous concerne à l'UDBN, avec beaucoup de jeunes volontaires déterminés, avec des femmes compétentes et compétitives qui tiennent à bousculer totalement ce que vous énumérez là comme hiérarchie. Nous savons que nous avons un programme qui plaira forcément à l'électorat. Nous allons parcourir les différents hameaux de notre pays, les 77 communes, pour aller vendre le programme de l'UDBN et montrer que le parti du maïs, le parti du maïs, est le meilleur, n'est-ce pas, qui est un programme qui puisse booster le développement local. Pour un parti dont on dit qu'il n'a d'ancrage territorial que l'arrondissement de Godomé, parce que la présidente étant de là, comment avez-vous réussi à avoir 3630 dossiers? C'est quand même pas de l'amusement. Je crois que votre propre réponse, votre intervention prouve que notre ancrage n'est pas que dans la 6e circonscription électorale. Si nous avons réussi à avoir autant de dossiers et même être dans l'embarras de choix à des moments donnés, c'est dire qu'un travail a été fait et qu'on aurait pu révéler ce travail-là déjà à l'occasion des législatives de 2019. Maintenant que l'occasion nous est donnée de démontrer de quoi l'UDBN est capable, je crois que vous allez le voir, n'est-ce pas, le 17 mai prochain, vous verrez que c'est une organisation sérieuse. Vous verrez que nos militantes et militants un peu partout, non seulement sont nombreux, mais sont déterminés et que chaque jour, nous faisons du recrutement. Il y a des gens qui sont motivés, qui veulent apprendre aussi à militer en politique et qui pensent que, contrairement à ce qui se dit, l'UDBN est cette formation aujourd'hui qui, on peut le qualifier de nouveau, et je suis d'accord, en comparaison à des visages anciens qu'on retrouve ailleurs. L'UDBN est effectivement un nouveau parti qui brille de par sa jeunesse, qui brille de par la combativité de ses femmes. Si on nous dit que nous sommes nouveaux, nous sommes d'accord, mais nous sommes nouveaux pour aller à la quête de l'électorat et aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. L'UDBN est connu pour être dirigé par une femme. C'est d'ailleurs le seul parti politique qui est dirigé par une femme, Claudine Lefebvre-Prudencio. Mais à part cette dame qui est une vieille de la vieille, qu'est-ce que l'UDBN a à vendre? Qu'est-ce que l'UDBN a comme figure aujourd'hui qui puisse vraiment faire face à ceux qui ont été positionnés par les offenses politiques? Vous posez une très belle question. C'est vrai que Mme Claudine Lefebvre-Prudencio, l'Amazone, on ne la présente plus. C'est vrai que sa bravoure est connue, sa témérité est reconnue. C'est vrai que d'aucuns ont pensé qu'elle prendrait un gros coup sur la tête et qu'elle renoncerait même à aller aux élections et qu'elle pourrait quitter la scène politique. Je dis, c'est mal connaître l'Amazone, elle porte bien son nom. Le réseau peut, n'est-ce pas, plier, mais ça ne rompt jamais. Mais écoutez, qui vous dit que moi, en tant que jeune secrétaire général adjoint et porte-parole du parti, moi aussi, je ne brille pas, je ne suis pas une figure importante, je ne mérite pas d'être dans le personnel politique de ce pays.
Vous qui me recevez sur votre plateau ce matin, Dieu seul sait si vous n'êtes pas des sympathisants cachés, par exemple, de l'UDBN. Donc, que les gens ne se trompent pas, nous avons dans le pays beaucoup de personnes qui peut-être ne sont pas encore déclarées militants, mais en réalité qui nous portent dans le cœur, qui portent le parti du maïs dans le cœur et qui ont envie de voter pour l'UDBN. Mmh. Et donc, nous avons beaucoup de choses à vendre, nous avons nos idées à vendre, il y a beaucoup de femmes compétentes, il y a beaucoup de jeunes compétents. Vous allez les découvrir avec le démarrage de la campagne parce que nous autres, nous faisons les choses de manière respectueuse. Nous ne publions pas encore les listes de l'UDBN parce que nous tenons à ce que la Sénat puisse le faire dans les règles de l'art. Nous sommes un parti discipliné. Nous voulons participer, comme le président de la République le veut, à l'amélioration de la façon de faire de la politique au Bénin. Et c'est à l'UDBN qu'on peut trouver ce personnel politique de demain qui peut diriger les choses de manière assez... Et chacun qui prêche donc pour sa part. Le plus dur commence pour vous là maintenant, parce qu'il faut réunir les 10%, ce qui n'est pas chose facile. Déjà que le parti n'a pas réussi à prendre part aux législatives dernières. Oui, je ne sais pas si... Et nous parlons de communal, élection de proximité. Je sais que ce n'est pas que ceux qui ont réussi à participer ont forcément réuni les 10%. Et donc, c'est un challenge. Un challenge pour tout le monde. Un challenge pour tous les partis qui auront à prendre part à ces élections du 17 mai. Mais une fois encore, si les populations des 77 communes du Bénin décident que ce soit le maïs qui l'emporte un peu partout, je crois que vous allez voir l'UDBN non pas seulement avoir 10%, mais avoir 20%, avoir 30%. Nous, nous rêvons à l'UDBN de ravir la vedette aux autres formations politiques. Nous rêvons de diriger les grandes communes de notre pays. Nous rêvons, n'est-ce pas, de placer de jeunes candidats de 25 ans à la tête de certaines municipalités parce qu'ils ont de la compétence pour cela. Et donc, le challenge, c'est un challenge pour nous tous, mais c'est un défi qui ne nous effraie pas à l'UDBN. Nous savons que cela existe dans les dispositions. Avant de nous engager, nous nous organisons pour, nous allons travailler pour cela, nous irons proposer nos offres, n'est-ce pas, à l'électorat béninois. Nous allons parcourir les maisons, nous allons dire aux gens que l'avenir des communes béninoises sera plus radieux avec le maïs. Et ça passe forcément par votre projet politique. Est-ce que vous l'avez déjà ? Oui, le projet politique de l'UDBN n'a pas été difficile à avoir. Il découle du projet de société de notre parti politique. Vous savez qu'à la faveur de la réforme du système partisan, toutes les formations politiques ont été toutes invitées à déposer aussi leur projet de société. Et donc, nous avions une certaine vision pour le management des communes. Les communes étant vues comme, n'est-ce pas, le démembrement local de la gouvernance étatique, il était important pour nous d'avoir des jeunes qui ont de la maîtrise en ce qui concerne la connaissance des problèmes de leur milieu. Des gens qui ont une certaine clairvoyance et un leadership pour porter les problèmes de développement, pour faire le plaidoyer nécessaire. Parce que si vous n'avez pas des maires, des élus dans lesquels les populations se retrouvent, il est difficile d'amener ces populations à contribuer valablement au développement. C'est pourquoi nous avons tenu compte vraiment de l'acceptation que les différents candidats que nous positionnons ont, n'est-ce pas, dans leur milieu local, afin que, une fois élus, les populations puissent accompagner et qu'eux-mêmes ils puissent travailler normalement en tenant compte des différentes priorités de développement qui se posent à leur commune. Donc de ce côté, nous croyons que notre projet de société, vous allez le découvrir davantage, tient compte des différents problèmes prioritaires au niveau de chaque commune. Nous nous organisons également, nous faisons des propositions déjà à comment améliorer, n'est-ce pas, la capacité de mobilisation des ressources au niveau de chaque commune. Parce que ce n'est plus l'État central qui fera tout. C'est vrai qu'il y a la question des transferts des ressources de l'État. Il y a parfois du retard à cela. Nous faisons des propositions également à ce niveau, à l'UDBN, et nous pensons que c'est ensemble, main dans la main, que nous allons pouvoir porter le développement de nos communes à un niveau plus satisfaisant pour les populations. Comme vous l'avez dit, c'est un projet qui va être découvert au fur et à mesure du temps, comme vous l'avez dans le processus. Mais dites-nous comment a été fait le choix et le positionnement des candidatures. Est-ce que c'est un comité qui s'est assis avec à sa tête la présidente ou c'est une élection interne qui a été organisée?
Je veux vous dire que la présidente n'a pas eu besoin d'intervenir assez dans le choix des différents candidats. Elle ne peut pas être dans les 24 circonscriptions électorales. Elle a confié cette mission à des coordinations. En l'espèce, dans les 546 arrondissements. Évidemment, dans les 546 arrondissements coordonnés par nos coordonnateurs des circonscriptions électorales. Elle a donc fait confiance à ces coordonnateurs qui ont eu pour tâche d'identifier, n'est-ce pas, des postulants à la candidature sur les listes du parti UDBN. Et donc, toutes ces propositions sont parvenues au niveau national et le bureau exécutif national a examiné les différentes propositions faites par les coordinations. Et c'est sur cette base que finalement, ce que nous pensons être les meilleurs profils en termes de candidature, tout en tenant compte d'un savant dosage, parce qu'il faut tenir compte des femmes, il faut tenir compte des jeunes, il faut tenir compte d'un certain nombre de dynamismes, de la loyauté vis-à-vis du parti. Tout cela est entré en ligne de compte pour confectionner la liste du parti UDBN qui va sortir les jours à venir et qui prouvera que c'est une équipe de combat qui est préparée pour aller à l'assaut de chaque commune du Bénin. Quelle garantie avez-vous que ceux qui ont été positionnés sont vraiment aimés de la population? Il y a également l'autre aspect de la question, c'est que voir l'équipe de l'UDB en train de travailler, il nous a été très, très compliqué. Vous êtes caché où pour faire le boulot? Évidemment, c'est normal que beaucoup aient voulu pendant les périodes de préparation se rapprocher de l'UDBN. Mais vous savez, nous avons compris que pour travailler sereinement à des moments donnés, il faut aussi se cacher. Et donc nous avons dû nous replier, n'est-ce pas, avoir un cadre assez calme pour éviter des erreurs. C'est ce qui a fait que vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, nous joindre. Et je peux vous garantir que vous allez découvrir, n'est-ce pas, quand la liste va sortir, que les candidats de l'UDBN sont des candidats qui savent vendre, n'est-ce pas, la vision de l'UDBN, qui savent aussi vendre un peu tout ce qu'il y a comme priorité au niveau des différentes communes qu'ils prétendent qu'ils ont envie de diriger. Et donc, il y a des visages qui ne sont peut-être pas encore très bien connus, mais qui vont se révéler très à bien. L'occasion de ces élections nous attendons de voir. Oui, Gildas Olusegun Aizano, on vous a personnellement vu adresser des hommages au MPL et spécifiquement à Moël Bénin, ces partis qui sont recalés, je précise, qui sont désormais réintégrés par la CELA, alors que c'était des partis concurrents. Pourquoi cette spécification? D'abord, je dois préciser que nous n'avons pas attendu, nous, à l'UDBN, d'avoir le récépissé définitif, n'est-ce pas, avant de rendre hommage au MPL de Korogoné, de rendre hommage au Mouel de Jacques Ayadi, personnellement, parce que nous pensons que ce sont des partis également qui regorgent d'une jeunesse compétente. Nous les avons vus un peu la fougue de M. Korogoné et des jeunes qui l'entourent, n'est-ce pas, pour aller à ces élections. Qu'ils aient été recalés à cause d'un certain nombre d'erreurs, d'un certain nombre de dysfonctionnements à notre niveau, il nous a paru logique, en tant que jeune qui a aussi des ambitions pour le pays, en tant que jeune qui doit se mettre dans la dynamique d'encourager le leadership des jeunes un peu partout, parce que c'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons construire notre pays. L'UDBN ne pense pas faire le Bénin de demain seul. L'UDBN a besoin des partenaires, des alliés un peu partout. Et nous pensons qu'au sein de ces formations politiques, il y a également des jeunes valeureux qui peuvent participer à l'édification de notre pays, à l'amélioration du paysage politique que le président Patrice Talon veut. Parce que ne nous trompons pas, le président Patrice Talon veut d'un personnel politique rajeuni, il veut d'un personnel politique amélioré, il veut que progressivement on puisse se débarrasser de ceux-là qui, malheureusement, on les a trop vus pendant longtemps, ils sont des spécialistes de tous les régimes, certains d'entre eux ont des casseroles derrière, mais ils sont toujours sur la scène politique. L'objectif du président Patrice Talon, c'est que progressivement, ceux-là qui portent la parole des populations
que ce soit un personnel politique vertueux. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Donc à cette jeunesse, et donc pour moi, malgré ma position, malgré que j'ai envie que le parti du maïs batte tout le monde, ça ne m'a pas empêché de rendre hommage au MPL de Korogoné et à Mouel de Jacques Ayadi. Ce sera la dernière question. Qu'ils appellent leurs militants peut-être, ou bien qu'ils travaillent pour vous dans l'ombre. Qu'ils travaillent pour nous dans l'ombre, vous savez, ça ne se prend pas comme ça, ce genre de décision. Ce sont des partis responsables. Il appartiendra de voir s'ils ont envie véritablement d'accompagner l'UDBN. Encore que moi, je trouve, pour l'amitié que j'ai avec beaucoup d'entre eux, au MPL et à Mouel Bénin, j'ai beaucoup d'amis, j'ai fréquenté avec certains. Je trouve que nous partageons beaucoup d'idées intéressantes ensemble et qu'ils se retrouveront aussi à travers le projet porté par l'UDBN. Gilda Saïzano, merci d'être passé. Gilda Saïzano, merci. Vous l'aviez dit hein, quand je vous ai fait la question de savoir si vous êtes informé du fait que les partis qui sont éliminés par la Sénat sont réintégrés et participeront donc aux prochaines élections sur instruction du chef de l'État. Vous avez dit non. C'est vous qui avez raison. Il n'en est absolument rien, mesdames et messieurs. C'était donc notre poisson d'avril pour vous, puisqu'aujourd'hui, nous sommes bien le 1er avril. Et nous rappelons... Une question à votre invité, oui. Savoir ça lui a fait quoi quand vous avez dit que les trois ont été repêchés. Non, bon, en fait, j'étais un peu surpris parce qu'il n'appartient pas au président de la République de réintégrer, n'est-ce pas, des formations politiques qui auraient été recalées et connaissant un peu le président Patrice Talon, pointilleux, très respectueux des règles républicaines. J'avoue que je me demandais par quelle alchimie ceci a été possible. C'est maintenant que vous me rassurez que nous n'avons pas tordu le cou. On n'a pas tordu le cou à nos lois et que véritablement ce que la Sénat a décidé et sera respecté par tout le monde. Absolument. Donc, il n'en est rien. C'était donc un poisson d'avril, mesdames et messieurs. Ces partis politiques recalés, je rappelle, FCDB, Mouel Bénin et puis le PER en 3 jours pour saisir la Cour suprême, éventuellement. Mais on rappelle également qu'il y avait une autre information que nous vous avons diffusée, soi-disant, que le ministre de la Santé a été emporté par le coronavirus. Là aussi, il n'en est absolument rien. C'était donc notre poisson d'avril. Ouais. Merci à vous, Gilda Saïzano. Il y avait deux poissons. Le téléphone, ça pleut depuis des messages qui venaient de toutes parts. C'est vrai. C'est vrai que l'ambiance du coronavirus a emporté cette tradition-là, 1er avril. Je me rappelle, il y a quelques années, on a inventé d'autres histoires. Oui, justement. Il y avait un débat contradictoire entre Mouniaï et puis Parfaite de Bonhomme, je me rappelle. C'était toujours sur Actu-Matin. Voilà, merci beaucoup. C'était le poisson d'avril. Pour vous, ce n'était pas un poisson d'avril. Vous n'êtes pas venu parler de l'UDBN et vous étiez dans la vérité. Merci pour l'occasion que vous nous offrez. Protégez-vous contre le coronavirus et suivons les instructions du gouvernement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous restez en place pour les toutes dernières minutes de cette émission. Nous vous proposons de revenir sur l'actualité de ce 1er avril, tel que traité par les organes de presse, les journaux, lecture des journaux donc, décryptage et présentation à Siongo Kany, à Siongo. À toutes et à tous, bonjour. La veille des autorités béninoises pour la lutte contre la pandémie du coronavirus suit son cours, écrit ce matin le journal La Presse du Jour, pour lequel le Bénin enregistre 3 nouveaux cas. 3 nouveaux cas confirmés par Bénin Intelligent qui informe de leur état clinique stable et rassurant. Les cas de coronavirus portés à la hausse, l'information porte le sceau du ministre de la Santé, Benjamin Houpati, à travers une notification adressée aux représentants par intérim de l'OMS au Bénin. Il notifie à ce dernier qu'entre le 27 et 29 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire des fièvres hémorragiques virales de Cotonou sur des échantillons prélevés chez 3 personnes suivies sont revenues positives au Covid-19. Alors, ajoute Libération, il y a 3 nouveaux cas enregistrés mais aucun décès au Bénin. Le matinal qui parle de 8 cas confirmés renseigne d'un guéri pour insister sur 0 décès de son côté. Fraternité parle de 11 cas confirmés et fait observer que c'est une semaine critique
pour le Bénin. Le journal souligne qu'au Bénin, apparemment, si l'on y prend garde et que la vigilance n'est redoublée, le coronavirus ne fera pas d'exception de son lot de malheurs. Ces dernières heures, les cas s'enchaînent, d'après le ministère de la Santé, dans une correspondance en date du 31 mars aux représentants de l'OMS au Bénin, trois nouveaux cas ont été enregistrés. Le journal relate qu'il s'agit d'un Béninois âgé de 48 ans, revenu de la France et mis en auto-isolement à Lomé. Au détour d'un rhume, il sollicite un test au Covid-19 dont le résultat serait positif. Pour son traitement, l'intéressé a préféré revenir au centre de traitement des épidémies de Cotonou sans en informer les autorités togolaises. Le second cas est un garçon de 10 ans, contact et parent du quatrième cas. Le troisième cas est une Béninoise rentrée de Paris le 17 mars dernier. Paris, c'est la capitale française dans la grande Europe qui tombe face au coronavirus, comme l'affiche en gros titre l'Économiste. Une situation qui inquiète le journal pour lequel, bien que disposant à la fois des meilleurs systèmes sanitaires au monde, d'une géante technoscience, bref, d'un savoir envié, les pays occidentaux face au coronavirus semblent sans moyens en trois mois de terreur de cette pandémie. Les États de l'Union européenne, plus que jamais, se trouvent chacun à méditer la règle du chacun pour soi. Pendant ce temps en Afrique, les États restent résistants. Où est donc passé le grand cercle de l'Occident? Le monde s'effondre-t-il autour de l'UE? S'interroge le journal. En tout cas, en Afrique et particulièrement au Bénin, l'Association des promoteurs culturels et artistiques ne reste pas les bras croisés face à la pandémie. Quotidien L'Observateur rapporte à ce sujet que l'Association des promoteurs culturels et artistiques du Bénin, APROCAB, et son président, Dr Guy Wakou, sont en phase avec la vision du chef de l'État, Son Excellence Patrice Talon, dans le cadre des actions de lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, très soucieux du bien-être des populations et conscient du rôle de la musique dans la sensibilisation de masse, la APROCAB a lancé le tournage d'un clip vidéo, ceci pour sensibiliser les populations sur le coronavirus. Le dit clip vidéo a été tourné le dimanche 29 mars 2020 avec la participation active d'une quinzaine d'artistes béninois qui chantent dans diverses langues et à côté informent la nation au cours de la rencontre avec les responsables des chaînes de télévision et radio sur le décret portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les médicaments et autres produits médicaux. Benjamin Houpati, ministre de la Santé, a sensibilisé les populations aux inconvénients de l'automédication car, selon lui, il faut éviter l'automédication car elle est suffisamment grave et tue. Le fait d'avoir entendu parler de l'efficacité d'un produit pharmaceutique n'est pas un prétexte. Pendant ce temps et dans le cadre des communales de mai 2020, la presse du jour revient sur les cinq partis qui reçoivent leur sésame de participation. Le journal de notre époque décrit que la Commission électorale nationale autonome embarque cinq partis pour les élections communales et municipales. Cinq partis que rappelle le quotidien Libération en citant l'Union progressiste, le Bloc républicain, le Parti du renouveau démocratique, les Forces Coris pour un Bénin émergent et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. En tout cas, l'obtention du récépissé définitif pour les communales de 2020 est perçue par le quotidien Fraternité comme l'expérience politique qui a fait la différence. En fait, souligne le journal, les grands ont tenu leur rang et 10 ans d'exercice du pouvoir par les FCBE, en dépit des coups de semonce et de l'herbe qui n'y est plus verte, en termes d'expérience et de la conduite des dossiers, il y a toujours un acquis qui n'est pas négligeable. Ne parlons pas du PRD, seul parti à l'entame de l'ère du renouveau démocratique qui jusqu'ici résiste à toutes les velléités des nouveaux dinosaures qui ne rêvent que de le phagocyter. Pour ce qui est de l'UDBN, la moins cotée des partis retenus pour la course des communales, son grand mérite, c'est la détermination de sa présidente à ne pas lâcher la hache avant la cognée. Et sous le titre « L'UDBN franchit le cap de l'exploit », le meilleur fait observer que sur les 5 blocs autorisés à participer valablement aux élections communales et municipales du 17 mai prochain figure l'UDBN de la présidente Claudine Fiavi-Prudencio, une Amazone des temps modernes qui, au regard de son endurance et de son engagement politique,
a su donner une nouvelle dimension à la femme béninoise en politique. Non seulement la présidente Claudine Afiavi Prudencio est la seule femme présidente de parti politique après les réformes politiques et la seule femme dont le parti politique est qualifié à participer aux élections municipales et communales de mai prochain. Dans la suite, un dossier sur le Yoloque publie Bénin Intelligent dont les enquêtes révèlent que l'invisible tient le visible. Alors pour ouvrir une boutique, un restaurant, un atelier ou pour monter un commerce, de nombreux Béninois se donnent presque toujours un gage spirituel de réussite de leurs affaires. La pratique connue sous le nom de Yolo en langue fond vise à attirer et fidéliser les clients. Est-elle moralement encourageable? Se demande le journal pour lequel la réponse varie selon les sensibilités. Merci de m'avoir suivi. C'était la revue de presse d'Assiongon Kanyi Assiongon. Demain jeudi, nous allons retrouver Narcissa Lossé dans ce même exercice. Wahab Ali Kwara, oui, en ouverture, c'était vous dans la une des journaux. Je vous retrouve très rapidement pour dire, pour revenir sur ce que nous avons dit. Oui, pour corriger cette actualité qui n'était qu'une actualité des quatre murs ici, hein, oui. De Calan 3 Bénin. C'est le poisson d'avril du jour, et donc plus qu'un poisson, c'est même une baleine. Le ministre de la Santé est bel et bien en place. Il se porte très bien d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui conduit avec toute la rigueur nécessaire, hein, les dossiers liés au coronavirus. On lui souhaite donc du courage. Les trois parties qui espéraient, n'est-ce pas, dans les quatre murs toujours de Canal 3 Bénin, les trois parties récalées qui espéraient, n'est-ce pas, collaborer ou participer à ces élections, je crois qu'il doit préparer c'est les dossiers pour les prochaines. C'est vrai que nous avons beaucoup de candidats positionnés sur la liste de cette partie politique. Qui sont également des amis, des amis et qui avaient espéré, n'est-ce pas, non, qu'il garde cette espérance peut-être pour d'autres compétitions. Justement, c'était donc notre poisson d'avril. Merci à vous, Wahab Ali Kwara, pour cette belle conclusion. Mesdames et messieurs, merci à vous de votre attention chez vous. C'était Actu Matin. On se retrouve demain, jeudi, à 7h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire.